Salut les pépères, salut les mémères, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le cinquième épisode de cette tentative de survie de l'extrême sur The Long Dark. Résumé des épisodes précédents, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Cet après-midi, alors on a été Gucci au début, ensuite on s'est fait choper par un vilain blizzard qui nous a obligés à rester chez nous. Ensuite, fantastique séance de chasse où j'ai personnellement snipé un cerf à 80 mètres avec l'arc, comme ça, c'était magnifique. J'ai découpé sa carcasse, j'ai 15 kilos de viande dans le frigo, là on est bien, on est Gucci niveau 9 quasiment. Maintenant va falloir aller explorer. Merci Gilby01 qui donne des tiers 2 à tout le monde, un poussou frère ou frérotte. Gilby, merci pour le soutien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attendez, avant de se lancer, là, je voudrais qu'on se pose un petit peu, qu'on réfléchisse. Bon, là, on est bien. On a de la réserve pour aller faire un peu d'explo. Au niveau vêtements, on est bien. On a le flingue, on a l'arc de survie. Quelle heure il est? Il est midi, ouais, je me suis levé tard. Je me suis levé super tard. Merci pour ta série de streams de Noël sur The Long Dark. Noël toute seule, je passe un bon moment à te suivre et je me suis lancé sur The Long Dark cet après-midi et c'est le pied gros poussou. Très bien, Niloël, c'est vachement bien The Long Dark. Je sais pas si tu l'as pris sur le Game Pass. Si jamais vous avez le Game Pass, il est dispo gratos. Donc comme ça, vous pouvez jouer en même temps. Vous mettez sur le second moniteur. Moi, ça me dérange pas. Je fais pas de chichi. Je tolère d'être sur le second moniteur. En même temps, vous lancez The Long Dark. Vous apprenez un peu les bases du jeu parce qu'il faut quand même quelques essais pour s'en sortir. Évidemment, vous ne jouez pas. Vous n'essayez. Vous ne tentez pas des trucs comme je fais. C'est trop technique, c'est trop complexe, bien sûr, mais vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas les fondamentaux, vous n'avez pas les connaissances pour faire ce que je fais. Mais ça vous permettra de découvrir ce jeu fantastique. Alors, toc. Bon, là, on l'a tout fait. Hein. Mystery Lake, on l'a labouré. Pas de souci. Alors, donc, on est ici. On est sur Lac Mystère. Là, on a le Muskeg Morn, mais il va falloir passer par là. Ce que je voudrais bien, en fait, ce que je vais tenter comme expédition, c'est aller à Muskeg Morn. Muskeg Morn, il n'y a pas beaucoup d'abris qui sont abrités, en fait. Voilà, je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup d'abris qui sont vraiment fermés. Il y a juste une grotte qui se trouve ici. Et ce que je voudrais bien trouver, par contre, c'est l'accès à Milton que je n'ai jamais trouvé. Je sais pas comment on peut accéder à Milton. Milton, ça s'appelle, en anglais, ça laisse penser qu'il y a une petite ville ou un truc comme ça. Ça doit être un petit village, en fait. Donc, il doit sûrement y avoir plein de bouffe. Donc, voilà, on va faire Muskeg Morn, on va suivre la voie ferrée. On va essayer de remonter et trouver l'accès, voilà, trouver l'accès à Milton en essayant de pas crever dans Muskeg Morn et surtout en essayant de pas se foutre à l'eau dans Muskeg Morn comme ça m'est arrivé au run d'avant. Voilà, on peut faire ça, sinon c'est ce qui me paraît le plus cool à faire pour enfin le plus cool, le plus opti, voilà. Bonsoir à Elored. Je dis bonsoir aux gens dont c'est le premier message sur le chat, parce que moi j'ai quand c'est le premier message de quelqu'un sur le chat, j'ai un petit truc qui me dit attention, c'est son premier message, donc je l'accueille, voilà, convivialité avant tout, voilà, on est entre amis, on est entre mâle et femelle alpha sigma, donc on se dit bonjour. J'ai soif, allez, concentration maximale, je dois avoir faim aussi, je vais becter. Ah non, alors d'abord, alors avant de partir, j'ai quand même un petit truc à récupérer là, faut que j'ai quand même encore la carcasse du cerf que j'ai si courageusement chassé à aller exploiter au maximum, mais ça va être rapide. Ouais, de toute façon, il y avait un tiens, comment ils ont mangé hier. Voilà, hein. Tu as fait moi la maline, hein. J'ai pris sa fourrure à lui. Il y a aussi probablement un autre cadavre qui doit être par là, parce que j'en ai buté un autre, mais il est pas mort. Je lui ai tiré dessus au flingue, mais il est pas mort. Mais là, ce que je vais faire, c'est aller chercher la viande restante. Je crois qu'il reste 2 kilos de viande. Je sais pas si les oiseaux qu'on voit passer dans le ciel, ils se dirigent vers un nouveau cadavre. Ah si, ils ont l'air, regardez. Si, il doit être là-bas, le loup. J'irai le chercher un de ces jours. Parce que du coup, je vais avoir 4 fourrures de loup, et du coup je vais pouvoir faire
le manteau en loup. Et le manteau en loup, il a un bonus qui fait que si les loups vous aperçoivent avec ce manteau, ils ont une chance d'être effrayés et de se barrer. Ça, c'est trop bien. Combien il fait aujourd'hui? Moins 11. C'est l'été. C'est l'été indien. Alors, on va lui prendre sa petite fourrure à pépère. Oh, quoique. Ouais, on va lui prendre sa petite fourrure. Je suis bien, je suis bien. On recycle, tac, 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 tac. Ouais, j'ai toujours plutôt intérêt à le faire à la hache. On recycle, allez. Merci Fishbot86, merci Silenor, merci Buissonman. Un poussou, les frérotes, pour votre abo et votre prime. Allez, on est bien. On va cuire tout ça, on met ça au congélo. Et ça va être un peu chaud aujourd'hui pour partir directement à Muskeg Forlorn, machin, Borne Muskeg. Donc du coup, je vais aussi aller chercher la... Je vais aussi aller chercher la, la fourrure de loup. Oui, Banana Coco, bah, je fais un deuxième stream dans la journée parce que c'est les vacances, les salles de ping-pong sont fermées et moi, vous m'enlevez le ping-pong, ma vie est vide. Il n'y a plus rien. Voilà, mais il n'y a plus rien dans mon existence. C'est une vie sans but, une vie... voilà, il n'y a rien. Donc je me suis dit, quitte à me faire chier ce soir, autant me faire chier avec vous. Et voilà pourquoi je stream aussi le soir. Un poussou au chat. Je vais pouvoir la poser là. Donc là, on a du cerf. Là, on a une fourrure. J'ai quoi? J'ai trois fourrures. Trois fourrures de loup. Je vais aller chercher l'autre. Ensuite, je ferai cuire la barbaque. Donc normalement, j'ai vu les oiseaux se poser par là-bas. Il doit y avoir un petit cadavre. Et je suppute que c'est le loup. Je suppute que c'est le bâtard lupin qui a voulu me croquer hier soir. Et que j'ai promptement remis à sa place. C'est-à-dire à sa place de loup bêta. Parce qu'il n'y a qu'un seul mâle alpha dans cette forêt. C'est moi, le super prédateur. Le prédateur apex. Ok, il n'y a pas ses cousins dans le coin. Alors cela dit, je vais bien me faire une petite entorse. Hein, vous la sentez venir l'entorse pendant l'escalade là? Oui, ça me dit rien qu'il vaille cet endroit là. Je suis pas un gros fan. Et alors à Muskeg, faudra faire attention, ouais, parce que c'est vraiment pourri Muskeg. Il y a rien, il y a pas de bouffe, il y a que des dangers, il y a des ours, il y a des ours, il y a des loups. Alors où serait-il ce pépère? Il pourrait être dans le coin. Où es-tu, chien chien? Où est-ce qu'il a grimpé ce con? Où est-ce qu'il allait crever comme une merde? Ou alors peut-être que j'ai pas vu les oiseaux s'arrêter, j'ai vu les oiseaux grimper la montagne. Ça peut être ça en fait. Si ça se trouve le pépère il est pas là. Quitte à sortir, je vais aller me faire 2-3 lapins, ils ont peut-être hip-hop dans la petite clairière là. Je vais aller aussi visiter par là, je peux même faire un peu de cartographie, tiens c'est toujours bien de faire de la cartographie. J'adore faire de la cartographie, je sais pas pourquoi, ça sert à rien, je connais la carte par cœur. Hein. Mais j'aime bien avoir ma petite carte bien comme il faut. De toute façon, dans les jeux vidéo, j'adore la cartographie. Un jeu vidéo, tu peux faire la carte, j'adore. Je suis un homme simple. Tu peux faire une carte, c'est Gauthier. Ok, bon, on va faire une petite carte ici. Et puis, il faut chercher aussi la fameuse cache secrète. Il y a quelqu'un sur le chat qui m'a dit... Ouh, puis j'ai fait une belle carte là. Quelqu'un sur le chat qui m'a dit que sur cette map, il y avait une cache secrète qui pouvait apparaître un peu n'importe où, qui était en fait qui apparaissait sous forme d'écoutille, qui donnait accès à un espèce de truc souterrain. Et je voudrais bien le trouver. Eh, ne sont-ce pas des lapins là-bas? Ce sont des lapins. Allez, on va se chauffer un peu les cailloux. On va faire du headshot de lapin. Ça fera toujours un peu dur en plus. Je pourrais même faire du bois après. Le jeu est quand même beaucoup plus facile une fois qu'on a les vêtements qu'il faut. Là, je suis à combien? Je suis à 20 degrés. 20 degrés de bonus de chaleur, c'est quand même... C'est pas la même limonade, hein, au niveau de la difficulté du jeu. Donc il y a vraiment une grosse difficulté au départ pour trouver les bons vêtements. Et une fois que vous les avez, c'est... Voilà. Il y a un autre lapin là-bas. Non, c'est pas un lapinou. Viens là, Pampan. Viens de prendre ton caillou. Allez. Je vais te le snipe. Oh là là, avec le rebond, mais quel talent. Mais c'est quasi, c'est niveau NBA là. Quick, allez.
On voit ses petites patounes, regardez. On voit ses petites pattes de lapin dans la neige. Quel niveau de détail extraordinaire. Si les lapins. Si Storm Totoy, les lapins. Tiens, je vais en faire un deuxième. Celui-là, Storm Totoy, s'il meurt, c'est à cause de toi. Je voulais le laisser en vie. Mais je vais le tuer et je te dédie cette mise à mort. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard de lapin. Le lapin blindé. Ça y est, les lapins ont des armures. C'est nouveau. C'est les développeurs qui viennent de coder ça en temps réel pour m'emmerder. Ils ont rajouté des armures niveau 56 au lapin. Oh, mais non, mais tu m'as pas vu, Pepperly. Viens là, je te fais pas de mal. Je vais te mettre dans une petite cage et te donner des carottes. Viens là. Allez, allez, allez. Oh, quel talent. Oh, et puis ce petit cri, là. J'aime entendre le cri de mes ennemis en train de mourir. C'est quelque chose qui me met du baume au cœur. Bon, on est bien. J'ai le temps de me faire peut-être même un petit peu de bois. Quelle heure il est? Ouais, c'est la fin de l'après-midi. Je me fais un petit peu de bois tranquille. On a chaud, on est bien. Je pars un petit coup. Y a bien un petit loup qui va me tomber sur le paletot, là. Hein, attiré par l'odeur. Et comme ça, demain, on est bien prêt. Et quand on rentrera de notre expédition... Je pourrais faire un manteau en peau de loup. Allez, décompose-moi ça. Merci, Fort Olepsilon. Un poussou. Frère, frérot, merci pour ton soutien. Là, je n'ai plus grand-chose à prendre. Peut-être puis-je faire un peu de cartographie ici, histoire de... Je vais en faire dans ce coin-là. Ah, j'ai envie d'aller chercher la cache secrète, là. Mais ça prendrait trop de temps. Et surtout, c'est tellement random. Ah non, bah j'avais déjà tout cartographié ici, je suis un peu con. Allez, retour. Je me réchauffe, il fait froid. Si Agbu était un vrai pro gamer, il ferait un run végétarien. Je sais pas si c'est possible de faire un run uniquement végétarien ici. Ah non, hein. Enfin si, uniquement avec la... Pff, uniquement genre avec des canettes de soda par exemple. Ah mais là faut être énervé. Hein. Là peut-être que j'ai pas le niveau, hein. Je vous préviens. Run végétarien dans The Long Dark, s'il y a un achievement là-dessus, je dis bravo. On va décomposer ça, ça fera encore un peu de bois. Toujours bon à prendre, toujours pratique d'arriver chez soi et de savoir qu'on a une bonne pile de bûchettes à foutre au feu. C'est une bonne tranquillité d'esprit. Donc Forlorn Muskeg, comment ça s'appelle? Je vais le dire en français parce que ça m'énerve. Je vais Muskeg Morn, voilà. Muskeg Morn, il se trouve au bout de la voie ferrée, là il est vraiment pas loin. Ça sera un petit trek de 3 minutes. C'est le tunnel qu'on voit tout là-bas, là, pour y arriver. Ensuite, après, c'est plus compliqué. Mais la région est facilement accessible depuis ma base principale et ça, c'est bien. Je voudrais faire... Est-ce que je vais faire un... Ouais, je vais faire un petit peu de cartographie ici. J'aime bien qu'au moins autour de ma base, ça soit bien cartographié, ça me rassure. Les loups, ils vont pas venir me faire chier quand même. Ils n'auraient pas cette... Il y a toujours mon petit cadavre qui est là. Ils n'auraient pas cette insolence, cette impudence. Tiens, je vais me faire une petite carte ici. Voilà. On va utiliser tout le charbon. Et j'aime bien quand ça s'illumine sur la carte. Oh. Parfait. Est-ce que je peux pas récupérer des boyaux? Allez, je récupère deux boyaux et on rentre à la maison. La nuit commence à tomber, faut arrêter de déconner. Un accident est si vite arrivé dans ce jeu. Vous sentez que je prends la confiance quand même. Hein. Je suis plus le même homme. Hein. Je suis plus le même homme que celui qui était en perdition au fin fond du Morne Muskeg, poursuivi par un loup avec de l'eau glacée jusqu'à la taille. Oh, j'étais au bord des larmes. Hein. Bord des larmes. Après le stream, j'ai pleuré 4 heures. Hein. Je devrais pas vous dire les coulisses, mais c'est ce qui s'est passé pourtant. Hein. Moi, je fais carte au jeu. Je suis transparent avec vous. J'ai pleuré 4 heures après avoir perdu ce run qui m'avait pris, je sais pas combien, dizaines d'heures. Ok. J'ai besoin de rien. Non, ça va être bon. Ça va être bon. Lui qui est mort la semaine dernière. Oui, mais c'est ça la différence. C'est que vous, quand vous mourrez dans un jeu comme ça, vous le désinstallez. Moi, je bombe le torse, je me regarde dans le miroir, je me mets des grandes claques comme ça et je me dis, maintenant tu vas survivre.
Et qu'est-ce qui se passe? Je survis, 22e jour de survie, easy. Où est ma petite lampe? Je l'ai sur moi, ça tombe bien. Alors, j'ai peut-être une petite... Bah on va jeter ça, ça sera fait. Jeter. On va mettre ça là-bas. Voilà, tac. On va prendre des petits charbons supplémentaires pour Muskeg. Pardon. On va déposer, on va recycler. Je vais le faire avec la lampe éteinte quand même. Je vais le faire pendant que je cuis ma barbaque. J'avais plus tant de bois que ça. Hein. J'ai bien fait d'en prendre un petit peu. Jeter tout ça. On va récupérer ça pour la foutre au feu. Cela dit, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt cuisiner demain matin. Je vais cuisiner demain matin en fait. Parce que comme ça, avec le même feu, je me ferai un petit thé et je partirai avec du chaud dans le ventre. Et c'est important. C'est important le matin de partir avec un truc un peu chaud dans le ventre. Donc du coup, ah oui, non, merde. Si, alors aujourd'hui, je prends ça, voilà. Je vais dépecer mes lapinous, je vais garder la viande sur moi et je dors. Ok, je suis bien. Hop, dépeçage de l'épinou. D'abord, on boit un coup. Très important de s'hydrater. Il faudra que je pense à prendre de l'eau pour demain aussi. Je vais manger, tant qu'à faire. 920 calories. Mais c'est un double whooper, c'est incroyable. Je vais manger ça aussi. Je max ma barre de faim. Impeccable. On recycle ça. Hop, recycle. Vas-y, recycle. Oui, tu peux le faire. Je crois en toi. Recycler. Non, je dois avoir 300 kilos de boyaux chez moi. Ça doit puer dans le salon, là. Oh là là. Ça doit sentir... comme j'imagine un peu ce que ça sent chez Noël Malware. Après, je dis ça, je sais rien. Je suis jamais allé chez lui. Hein. Mais je me dis, ça doit être ce genre de fumée, vous savez. Non, c'est infini, Tiger Sushi. C'est complètement infini. Le seul but, c'est de survivre. Le seul but, c'est de se prouver à soi-même... On est aussi un mal alpha, aussi un mal sigma qu'on le pensait, c'est tout. Alors moi je le sais, mais je veux vous le prouver à vous. Parce que j'en vois qui doutent, hein. J'en vois qui se disent « Non, mais Akbous, est-ce que ça serait pas un mal bêta ?» Eh ben non, vous allez voir. Jette. Non. Fourrure de lapin, on va la mettre ici. Putain, j'ai mal rangé mes fourrures. Je vais en avoir une autre là, fourrure de lapin, on va la coller. Ici, et ça sèche bien. Ah, c'est une tannerie. Hein. J'ai transformé mon chalet en tannerie industrielle. Il y en a partout. Magnifique. Je suis bien. Je prends un petit litron d'eau. Hop. Tout va bien. Quelle heure il est? Impeccable. Non, j'ai rien d'autre à faire. Et je vais au pieu. J'entends le vent qui se lève. Je voudrais pas qu'on ait 3 jours de blizzard. Ça me ferait chier. Au record de survivants, ce renard, je sais pas, 40, 50, 60, un truc comme ça. Mais pas en mode stalker. Là, c'est beaucoup plus dur. Donc là c'est mon record. Là, ça va être mon 23e jour en mode stalker. Là, c'est largement mon record. Quelle heure est-il? Eh ben, on va cuisiner un petit peu. Si tu peux m'afficher le four. Non, je vais jamais le trouver. Le lit est là, le four est là. Voilà, faire du feu. Comme ça, on gâche pas trop d'allumettes. Alors que je commence à me méfier au niveau des allumettes. Je suis à 80% de réussite, c'est tellement beau. Je commence à être un bon faiseur de feu. Non, ça tâche pas le plancher, rigodon. Tu mets du bicarbonate de soude, ça part. Moi, je le fais ça souvent. Quand j'ai des boyaux chez moi sur mes tapis, je les laisse traîner. Bicarbonate de soude, tout part. C'est magique. That's done. Hop, on rajoute un petit peu de combustible. Bois de chauffage. Tu m'en mets deux. Hop. On va cuire ça. On va cuire. Ça, et en fin de cuisson, on fera du
un petit thé. Hop, hop, je prends, cuire, et cuire. Il y a des fours dans le jeu à 6 positions. Là, celui-là, on en a que 2, bon, c'est déjà pratique quand même, hein. Mais il y a des fours à 6 positions, vous imaginez? Comme dans un grand restaurant. Je prends... Merde! Non, c'est bon, lapin cuit frais. Ouh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais mangé un truc faisandé. Faut pas aller trop vite, faut se calmer, faut pas se... Voilà. Rien de presse, le soleil va se lever, on est tranquille, je bois un petit coup. Prêt dans 6 minutes, prêt dans 19 minutes. On est bon. Je prends, je me cuis mon lapin cru faisandé. Ça va être très rapide et je me fais... Un petit... Est-ce que je me le fais maintenant? Combien il me reste de feu? 32 minutes. Il est déjà cuit. Je vais le manger parce qu'il est tout petit. Ça va encombrer mon inventaire pour rien sinon. Ok. Je vais maxer ma barre de vie. Est-ce que j'ai un truc un petit peu léger à prendre? Non, mais on sera bien. Parce que là, le problème, c'est qu'il faut quand même éviter de faire le trajet avec du steak, quoi. Parce que sinon, on va se taper tous les... Quelle heure il est? On va se taper tous les loups. Je vais rajouter du combustible et je vais aller voir la météo. Oh, un petit temps clair là, ça me ferait... Je vous cache pas qu'un petit soleil... un petit soleil provençal avec les grillons, là ça me ferait plaisir. Allez. Ça va. Bon. Moins 26. Mais l'essentiel, c'est que le temps est clair. Donc on va attendre que le soleil se lève encore un peu, que la température remonte. Et puis, on va pouvoir partir. Je vais en profiter pour faire un petit tour de mon inventaire bien comme il faut. On va aller se remettre là-bas. Est-ce que je prends mes super gants de lapin? Je suis à combien là? 25 kilos. Je vais d'abord aller jeter ça là-bas. Enfin, jeter ça, non, je vais aller mettre ça au congélo. Mettre ma nourriture au congélo. Et ensuite, ouais, on fait le tour de l'inventaire, on vérifie qu'il manque rien. Faites-moi penser à prendre mon sac de couchage, absolument. Sinon, je vais l'oublier. Lapin cube, on va se prendre... On va acheter juste ça, voilà, comme ça en rentrant on aura plein de nourriture. Là on part avec 2,3 kg de barbac, plus la nourriture qu'on trouvera sur place, on est Gucci. Je vais aussi me prendre une cacouelle, parce que sinon je vais l'oublier. Je vais me prendre 7 cacouelles, ramasser. Je me prends mon sac de couchage, j'ai pas vérifié la durabilité du sac de couchage. 84%, c'est bien. Le thé, c'est bien. Le thé, je le garde. On a toujours besoin de thé. Je suis à 26 kilos. C'est quand même pas léger. Je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Non, vas-y, mets-le là. Pourquoi tu veux pas le mettre là? Voilà, merci. 1h07. Ok, le soleil commence à bien se lever. Qu'est-ce que je peux jeter? Ça, je vais là, je peux. Non, je vais la mettre au feu. Le livre. Ouais, je vais garder le livre à 25 kilos. Bon, ça va. Je vais me prendre 1 litre de flotte en plus. Voire même 2 litres de flotte, parce que la flotte, ça part vite. Donc finalement, ça alourdit pas tant que ça. Je vais me prendre un petit soda au cas où. Au niveau soins, j'ai que 3 bandages, ça me plaît pas trop, je vais aller me crafter un petit bandage, je vais partir avec 4 bandages parce que les entorses ça va vite. Hein. J'ai du tissu, j'en prends un, ça devrait être bon par rapport au feu, parce qu'il faut que je sorte avec une torche évidemment. On regarde la météo. Le vent s'est calmé, c'est parfait ça. C'est parfait, il fait combien? Moins 25, la température remonte. Ce midi, il fait 30. Ce midi, je suis en maillot de bain, j'annonce.
Je vais crafter. Non, pas des fagotins, je vais crafter des pansements. Ça me prend combien? 10 minutes, on en fabrique. Vérifier que j'ai de l'antiseptique aussi. Une morsure infectée, c'est si vite arrivé. J'ai de l'antiseptique, j'ai de l'adrénaline. Au niveau bouffe, Gucci. Tac, 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 tac. Bon, écoutez, ça me paraît bien, hein. Je vais prendre une torche et puis vogue la galère. Je vais reprendre encore un peu de bois, même si ça. Oh, alors j'ai ma. Ouais, je vais garder ma lampe tempête en fait. Tiens, je vais garder ma lampe tempête et je vais même là la ravitailler un petit peu. Ouais, parce qu'elle est avec mon. Parce qu'elle est pas pleine. Je vais la ravitailler avec mon bidon d'essence. Ok, on n'oublie pas de dégager le bidon d'essence. Où est-ce qu'il est le bidon d'essence? Je vais jamais le trouver. Il est là. Jeté. Je prends un kit de couture neuf et je jette mon kit de couture usagé qui doit être là. Enfin, je le jette. Non, je le garde par-devers moi, évidemment, mais au cas où j'ai de la couture à faire. Et je vais prendre. Voilà, je suis à 30, mais j'ai beaucoup d'eau, j'ai beaucoup de bois, ça va vite diminuer. On peut y aller, je prends une torche, on est bon. Ma torche est pourrave, super. Allez, redégage-moi cette torche et tu m'enfiles une qui dure longtemps, s'il te plaît. Allez, une qui dure longtemps. Je tiendrai pas jusqu'au tunnel, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti pour l'aventure. Au revoir, mon petit chalet, à bientôt. Séchez bien les fourrures. Je reviens bientôt, enfin. J'espère. Ah ouais, je voulais me faire un thé, ouais. J'allais me faire un thé. Merci, merci Yoxosot. Je vais me faire un thé. Le feu doit encore être bon. Ouais, le feu est encore être bon. Je me fais un thé, ça prend 8 minutes. Ajouter combustible. Torche, ajouter combustible. Je me fais un thé. C'est fou ce qu'on oublie, hein. Surtout moi qui suis particulièrement con. Ajouter combustible, bois de chauffage. J'avais que 3 boîtes de chauffage. Putain, il faut que j'en prenne plus que ça. Ah, pas du tout. Prêt dans 7 minutes. Je me fais un thé comme ça, j'aurai pas froid. On prend une torche. Ah, celle-là, elle est bien. Ah, j'ai une bonne torche. J'ai raison de me faire un thé. Et comme ça, on part sans aucun malus. Allez. C'est ça, Mitrérante. C'est l'appel de la forêt. Ah, purée. Ah, le petit blizzard de bâtard. Il a suffi que je me fasse un thé et l'on a tourné, hein. C'est pas grave, on y va. Le temps s'est rafraîchi. L'objectif, c'est de d'explorer un peu Forlorn Muskeg, de voir s'il n'y a pas du loot facile à se faire. Et juste après la caverne à côté de la chute d'eau. Je vais essayer de me protéger, d'avancer en me protégeant. Déçu par le temps, extrêmement déçu par le temps. Moi qui croyais que j'allais partir sous le soleil, sous les droits du public. Ah, c'est la merde en plus, je suis en vent contraire là. Il y a des loups sans mettre devant, ils vont me sentir. Je dégage pas trop d'odeur. Est-ce que tu as fait déjà des séjours dans le froid d'ailleurs en Canada ou en Scandinavie? Mais j'ai été élevé par les loups moi. Tu sais, j'ai jamais pris une douche chaude avant mes 20 ans. Quand j'ai été récupéré par une équipe d'aventuriers. Donc moi le froid, tout ça, je suis habitué. Je suis très très endurci, extrêmement endurci. C'est pour ça, ça pour vous ça paraît impressionnant, mais pour moi c'est juste. Ah putain la torche, merde. Pas grave, vous inquiétez pas, c'est géré pour l'instant. Je connais le chemin. Donc faut avancer. Je vais pas rester 25 jours dans ma cabine. Je sais qu'il y a un petit abri là-bas. Alors évidemment, faut pas tomber sur un loup, on est d'accord, hein, mais. On sait jamais, en changeant de région, le temps peut changer. C'est là-dessus que je compte. C'est chaud quand même. Oui, Yoxosot, j'ai vidé l'usine, bien sûr. Je l'ai ravagé l'usine. J'ai démonté les étagères, j'ai tout pris à l'usine.
Oui, c'est vrai que c'est vrai, Takuanso, qui pourrait protéger la torche du vent, mais il ne le fait pas. Bah, que veux-tu? Alors, il n'y a pas des petits trucs à choper ici? En général, il n'y a pas grand-chose. Là, par contre, il peut y avoir des loups, donc je vais me méfier. Parce qu'avec ce blizzard, ils peuvent me tomber sur le callback rapidement. Ça, je vais pas ramasser, c'est vraiment pas la priorité. Ici. Bon, voilà, on est content. Allez, il est quelle heure? Le temps va s'améliorer en cours de journée. Alors, pas forcément. C'est problématique, hein. C'est problématique parce que là, il n'y a vraiment aucun endroit sympa pour se protéger avant très longtemps. Oh, je rentre à la maison. Tant pis. Je rentre à la maison, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça aussi le programming, c'est savoir renoncer. Je prends exemple sur tous les documentaires sur l'Everest que je regarde en ce moment. Ceux qui ne savent pas renoncer, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent comme des cons. Donc là, vraiment, c'était pas la journée pour partir. On va survivre gentiment une journée de plus. On va aller se mettre au chaud. On a fait une petite sortie, comme ça on n'aura pas la cabine fever. Et on n'insiste pas. Aujourd'hui, Mère Nature m'a dit non. Voilà. Elle a refusé. Ah bah non, mais vous êtes déçu. Mais attendez, moi, je suis pas le Jules Clodo qui va mourir pour votre amusement. Hein. Moi, je veux survivre. Hein. Moi, c'est ma vie qui est en jeu. Je vous rappelle que c'est du permades quand même. C'est-à-dire que si je meurs pour de vrai. C'est ça, permades, hein. Si je meurs pour de vrai. Moi, j'ai encore une vie à mener. J'ai encore... vous savez, j'ai encore des montagnes à conquérir, j'ai encore des femmes à aimer, j'ai encore des performances mondiales à faire, j'ai encore des bureaux à juger. Pensez-y. Oui, Morina Théo, en live, bien sûr. Non mais regardez là, c'est vraiment pourri là, on est à moins 31 degrés là. Et en plus j'ai oublié de prendre mes gants en lapin, je vais prendre mes gants en lapin quand même. Parce que plus on s'éloigne du centre de la carte, plus il fait froid. Et Mystery Lake est au centre de la carte. Regardez là, je vais finir en hypothermie. Hein. Je vais perdre de la barre de vie. Je vais finir en hypothermie malgré mes super vêtements et malgré mon extraordinaire... mon fantastique thé. Voilà, non là c'est vraiment chaud hein. Là, ça aurait vraiment été une erreur de continuer. Vous auriez continué. Ben, vous seriez un petit cadavre gelé, là. Non, Mitterrand, j'ai pas de bureau dans les nouveaux locaux de Canard PC, mais je suis en télétravail. Je suis avec mes collègues par la pensée et par le Discord. Ah non, c'est vraiment le pire blizzard qu'on a eu en 20 jours, là. Moins 31 avec ce vent-là... C'est quand même moins 55 de température ressentie. Ah non, je tiens à le dire, parce que je vois des gens qui disent « Oh, il a peur d'une petite brise », sûrement des Bretons. Mais non, là, c'était pas la petite brise. Hein. Là, c'est vraiment le... On est vraiment sur le temps extrême. Il faut que je trouve mon chalet. Là, ça commence à urger. Enfin, c'est pas grave, mais on va le retrouver. Il n'y a qu'à suivre la ligne électrique. Voilà, le chalet est par là. Pour ça aussi, c'est important d'avoir cette base, hein, d'avoir Mystery Lake, parce que quand on est perdu dans la carte, on n'a qu'à retrouver la voie ferrée, retrouver la ligne électrique, et on est certain de retrouver le chalet. Non, là, c'est vraiment... Même les loups, vous avez remarqué, même les loups ne sont pas sortis. Les loups ont dit non, trop froid. Ils sont rentrés chez eux, ils ont mis leur petite doudoune, ils ont regardé Netflix, et ils ont bien raison. Moi, je peux pas leur en vouloir, aux loups. Hein. Bien sûr. Ok, je vais... je me réchauffe évidemment. Hein. Je vais prendre mes petits gants. Les gants que j'avais fait, que j'avais pas porté. Ils sont où mes super gants? Ils sont là. Par contre, je vais les mettre ici. Porter, on va être à plus 19. Alors voilà que je suis pas à plus 20 parce que j'ai des vêtements qui sont mouillés parce que la pluie, bien sûr, mouille les vêtements. Et oui, pensez donc. Je regarde l'état de mes vêtements. A priori, j'ai pas... Ah, les chaussettes, je pourrais les... Je vais profiter de cette petite accalmie pour me réparer mes chaussettes. Parce que j'ai les chaussettes trouées. Hop. Parce que quand même, là, ça va me faire un bonus supplémentaire. Réparer. Ok.
tour. Voilà, on est déjà à plus 20. C'est parfait. Action réparée. Finalement, c'est très bien ce petit blizzard. Ça va me permettre de me préparer encore mieux. Encore plus un pro gamer. Vous allez voir. Je bois un petit coup et je vais passer du temps au pieu. Et là, bah c'est du quoi? C'est du Netflix et chill, tout simplement. Hein? On est entre nous, tranquille, pépère. J'ai pas de livre à lire. Qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement? Tiens, je vais ranger mes boyaux. Boyaux séchés, boyaux séchés, boyaux séchés, boyaux séchés, boyaux séchés, boyaux séchés. Boyaux séchés, boyaux séchés, boyaux séchés. Je vais me faire un tas de boyaux par là-bas. Je vais me le faire ici, tiens. Où est-ce qu'ils sont mes boyaux? Ils sont là. Jeter tout, jeter. Voilà, je vais faire un peu de propre, faire un peu de ménage. C'est important d'entretenir ça. La lampe de poche, elle doit pas marcher la lampe de poche. Parce qu'il faut une batterie avec. Ah si, elle a l'air d'avoir une batterie. Ah non, elle a pas de batterie. Pile à plat. Ok, c'est pas grave. Et l'autre? Non, elles ont toutes les deux des piles à plat. Donc du coup je les jette. Parce que j'avoue que j'ai jamais utilisé en jeu les batteries, les lampes torches. On doit pouvoir trouver des piles quelque part. J'avoue que j'en ai jamais trouvé encore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça s'est rangé. Au niveau vêtements, je peux rien faire de mieux pour l'instant parce que mes fourrures de loup, il y en a encore pour pas mal de temps avant qu'elles sèchent. Je vais essayer de ranger ça ici, faire un peu de propre. Voilà. Ok, quelle heure il est? Bon, on va passer le temps. Hein. Je vais regarder la météo, histoire de... Merde. Ah non mais... Bon timing pour l'expédition. Alors l'avantage c'est qu'une fois que le blizzard se sera arrêté, on aura une petite accalmie et là on pourra en profiter. Ah tiens, j'ai ça aussi qui a séché, je pourrais me faire bientôt un deuxième arc de survie. Alors je crois que mon arc il est à 24%. Ah bah je vais me faire un deuxième arc de survie, je vais me faire un arc à 100%, très bien. Ouais, parce que arc à 24%, c'est quand même un peu chaud. Je pense qu'il me faut aussi un boyau et je vais me faire un arc de survie bien comme il faut. Mais voilà, très bien. Arc de survie, il me faut deux boyaux séchés. Et mon arc pourri là, 5 heures, très bien. Allez, 5 heures, 7,5, non. Ok, 5 heures, on fait ça avec ça, comme ça, fabriquer. Pas bien. Le vent se calme. Le vent se calme, je peux peut-être tenter un push jusqu'à la caverne. Je vais d'abord déposer mon arc pourri. Et je vais le mettre... Je peux pas l'accrocher, j'ai vu des gens qui réussissaient à accrocher des trucs au mur sur les forums. Mais moi j'ai jamais réussi. Peut-être un mode. On va le mettre ici. Là combien? Ok. 2 litres 23. Je vais prendre un litre d'eau. Je bois. Je vais manger. 920 calories, c'est trop beau. Je vais aller me prendre... là j'ai rien en trop. Hein. Non, je suis bien. Pourquoi je suis à 31 kilos? 31 kilos déjà? Ah peut-être je dois avoir des trucs en trop. Ouais, j'ai une torche en trop mais on s'en fout. Bon bah c'est pas grave, on va partir un peu lourd mais de toute façon... Non c'est que j'ai beaucoup de bois aussi, c'est normal. Alors est-ce que je tente la marche maintenant sachant que ma barre de stamina est pas top? Non.
Non, je vais choisir la voie de la sagesse. Je partirai demain matin quand j'aurai une barre de stamina bien élevée, parce que là, je suis quasiment à seulement un tiers de stamina. J'ai mon sac de couchage. J'ai mon sac de couchage. Je suis sûr que je l'ai. Il est là, mon sac de couchage. Voilà, il est là, je l'ai. Il n'y a pas de souci. Non, on va pas s'enflammer. On passe un petit peu de temps pépère. On lit un petit bouquin. 1, 2, 3, 4. Merci Papy Poulet, merci Purple Drain, merci Blade Pascal, merci Isusus, merci Carus FD, merci Forolopsilon, merci Jérémy B que j'ai oublié de remercier. Un pouce sous les frères et frères, merci pour votre soutien. Et là maintenant on fait dodo. On boit un petit coup, on fait dodo. Ouais, j'ai beaucoup d'eau, j'ai beaucoup de bois, c'est pour ça, mais c'est pas très grave. Lit, hop, 10 heures de sommeil s'il vous plaît, et on espère que la météo soit clémente. Ok, je bois, je vais manger un petit coup. Le temps a l'air calme. On mange ça, 920 calories, c'est trop beau. On peut même aussi manger ça, 166 calories. Et on va... Putain. On va aller regarder la météo. En espérant qu'il fasse beau. Quoi qu'hier matin aussi il faisait beau, hein. Et puis c'est devenu catastrophique en cours de journée. Ouais, moins 22, moins 21. Ça m'a l'air Gucci quand même. Tu as combien? 31 kilos, c'est pas grave. Allez, 31 kilos. C'est normal de prendre des réserves. Les réserves vont s'amenuiser au fur et à mesure de l'expédition et on la remplacera par du loot évidemment. Je vais attendre que le soleil se lève. Bien calmement, sans m'enflammer. Je vais pas craquer une allumette pour faire un thé. C'est pas utile. 2 heures, allez. On est bon. Et là, je pense que j'oublie rien. Merci Gatefix d'avoir offert un tas d'abo à la commu. Un pouce sous le frérot frérote Gatefix, merci pour ton soutien. Ça fait chaud dans le bidou. Et là, j'ai besoin d'avoir du chaud dans le bidou, Gatefix. Je te prie de me croire. Combien? 22 degrés, il n'y a pas de vent, on y va. Allez, alors on est Gucci. Objectif. Est-ce que j'ai pris de la bouffe? Ouais, j'ai pris de la bouffe. Objectif, la caverne. Et à la caverne, on pourra sûrement chasser quelques lapins, des trucs comme ça. Donc ça sera parfait. Au niveau feu, est-ce que je suis bien? Je suis Gucci niveau feu. Allez, on y va là. Pas de soucis, pas de vent. C'est parfait. C'est aujourd'hui. Tous vos applaudissements. Merci Kepa 34 pour le tira. Un poussou. Frère en frère, merci pour ton soutien. Juste regarder qu'il n'y a pas de loup dans le coin. Non, ils ont peur les loups maintenant. Hein. Je peux vous dire que ça moufte plus. Hein. Ça moufte plus. Ok. Salut Samuel Weiss, salut qui est-ce qui est bien arrivé? Salut Conflit de Canard. Merci Currently Upgrading pour le niveau 1, un poussou. Frère frérote, merci aussi à Noxbrox pour le tier 1. Un autre poussou pour tes 12 mois, merci pour le soutien. Vous avez vu? Autorun. Oh merde, un loup. Bon, eh bien il est temps de... Il est temps de commencer à faire de la flamèche. J'avais un livre, je vais m'en débarrasser tout de suite. Allez. C'est pas grave, ça fait partie du paysage, on le sait. Tu te calmes, Sultan. Ou je vais t'en coller une. J'avais prévu le bois pour ça. J'aurais bien aimé arriver jusqu'au tunnel sans avoir à faire de feu, mais c'est pas grave. Si je prends une torche, elle est très grande. Impeccable. Casse-toi. Voilà, allez. Je veux plus te voir. Tu m'as fatigué.
auto-die, dit Frédégonde. Non, non, c'est... non, non, j'ai pas d'auto-die. Moi, j'ai un auto-run, il marche très bien. Dans les mains. Si l'autorun s'active pas, casse-toi toi. Si l'autorun s'active pas, il faut activer l'option dans accessibilité. Parce qu'au début la touche sera pas active. Tu te casses, non tu te casses, voilà, allez, pars-toi. Je préfère ça. J'étais à deux doigts de te foutre ma main en travers de la gueule. Mais j'ai pas envie de faire du mal aux animaux aujourd'hui. Ah, la torche elle est bien là. Je sais pas ce qui détermine... Quelqu'un sait ce qui détermine la durée de la torche? Parce que des fois la barre est super remplie, des fois elle est pas remplie du tout, ça m'énerve. Peut-être le niveau de... le skill en fire, mais ça a pas l'air d'être ça. Tu ferais aussi bien d'apprendre leur langage. Mais je le connais, bien sûr que je parle loup. J'ai passé 20 ans avec les loups. Je parle loup couramment, enfin j'ai fait loup LV2 plus exactement. Mais j'ai tout perdu. Bah, le loup, si vous le parlez pas tous les jours, ça se perd. Ok, le temps est Gucci. Alors, Mornemuskeg, je connais, hein, enfin je connais, c'est vraiment une région de merde, avec très peu de loot. Dans ma partie précédente, il y avait des ours partout, c'était insupportable. Donc là, je continue sur la voie ferrée, et ensuite je bifurque à droite, je continue jusqu'à là-bas pour aller prendre du loot. Ensuite, je bifurque sur la droite pour aller établir un premier camp de base à la caverne. Le but étant de traverser cette région et de pas trop y rester, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors il y a la résidence de la famille Spence là-bas qui est en ruine, où il y a des trucs à looter. Je vais voir la météo, je vais voir tout ça. Le problème c'est qu'il faut passer le lac et la dernière fois, je suis traumatisé par le lac bien sûr. Hein. J'ai été complètement traumatisé par la mort du lac. Déjà s'il n'y avait pas d'ours dans le coin là, et que je puisse me reposer au petit wagonnet là, ça serait cool. On va pas tarder à se faire un nouveau feu. C'est bien calme, ça me plaît pour l'instant. Peut-être choper des roseaux à sucer s'il y en a. Tiens, bah il y en a là-bas. Ah ouais, mais non, je vais pas passer à travers. Je vais faire un petit feu ici. Voilà. Un petit feu à mi-distance. Torche. Bâton. Ouais, on va utiliser des bâtons. Allez, on est bien. Ça bug à ma droite. C'est normal, c'est un coin à loup. On le connaît, on les connaît les coins à loup. Ok, ajouter combustible. Là on va y aller à coup de bâton. On va ajouter la torche. Et on va prendre une torche. Elle est très bien mais j'en prendrai une autre tout à l'heure. Et on va se choper ça. Parce que ça fait de la nourriture. Astuce, notez sur vos calepins. Astuce de pro gamer. Ça c'est 150 calories à chaque fois. Oh, et puis il y en a 4. C'est bien ça. Alors après, faut pas que je reste immobile trop longtemps parce que les loups vont quand même vouloir un peu me chasser vu que j'ai de la viande sur moi. Mais j'ai de la torche de toute façon. Et ben voilà, on s'est fait 6 x 150 calories. Alors selon la wiki, la durée de la torche sera de max 50% si tu la prends dans un feu et dépend de la durée de vie du feu en question. Pour une torche 100%, faut la crafter avec du kérosène et du tissu. Ah mais je ne savais pas qu'on pouvait crafter des torches avec kérosène tissu. Ah bah écoute, je vais me renseigner. Cela dit, elle est très bien cette torche, je vais continuer à l'exploiter. Ah je savais pas qu'on pouvait crafter des torches kérosène tissu. Là je vois des petits trucs que je vais aller chercher aussi, ça me fera ma bouffe de ce soir. Alors là-bas il y a une tour radio. Qui est en général pas folle niveau loot, mais cela dit, je suis tellement Gucci là que je pourrais aller y jeter un petit œil quand même. Parce que j'ai une bonne torche. Ouais, je vais aller y jeter un œil. Je vais grimper là-bas. Je suis bien là. Je suis bien, j'ai du bois, j'ai de la torche. On est bien. Alors, il y a les loups par là-bas, je m'en fous. J'ai de la bonne torchette. Oui, on dit une torchette aussi. Une torche ou une torchette, ça marche. Hein. C'est français, les deux mots s'utilisent. L'académie dit plutôt torchette d'ailleurs, moi je dis torche, mais bon. On va passer loin du lac pour pas tomber dedans. Oh, j'espère qu'il y a du bon loot là-bas.
Un petit fusil, par exemple, ça me ferait tellement plaisir. Et après, cela dit, je pourrais aller directement à la résidence Spence. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller direct à la résidence Spence aujourd'hui. Ouais, je suis large, j'ai le temps. La météo est bonne, on avance. Si la météo est bonne, le loot, le loot, le loot. Parce qu'on sait que sinon, après, on peut le regretter. Alors là, quand il y a de la neige, je passe pas à travers la glace. Mais évidemment, là, il faudrait pas que je traverse par là. Parce que sinon, j'aurais une forte chance de passer à travers la glace. Ce qui serait fort ballot. C'est déjà arrivé à des joueurs de très grand niveau. Ok, je vais faire une petite pause feu. Je vais m'éloigner un peu des ours quand même. C'est marrant, j'ai aucune fumerolle. J'ai deux steaks, mais j'ai aucune fumerolle. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de vent en fait. Ah ouais, donc là, les conditions sont vraiment impeccables. Allez, un petit feu ici. Torche, faire du feu. Merci Flubber pour le Prime. Ah Poussou, frérot, ça va bien? Merci Noxbrox aussi. Je l'ai peut-être remercié Noxbrox. Mais j'ai refait un autre Poussou parce que j'aime bien faire des Poussous. Mais ça ne me porte pas chance puisque je rate ton feu. Attention. Attention. Petite question, c'est un choix de refaire un feu à chaque fois plutôt que d'enchaîner les torches. Ben, je suis obligé de refaire un feu. Comment tu veux que j'enchaîne les torches? Attends, attends, est-ce que je peux enchaîner les torches sans avoir à faire de feu? Parce que là, acétone, tu vas changer ma vie. Attends. Acétone, est-ce que je peux enchaîner les torches sans utiliser d'allumettes? Parce que moi, c'est pour ça que je le fais, hein, mais peut-être que je me trompe. Attention. Je dois avoir 200 heures sur le jeu, je vais me rendre compte que je sais pas jouer en fait. Tu droppes la torche allumée, tu rallumes la suivante avec celle par terre. Mais est-ce que j'ai automatiquement une torche? Parce que le feu t'auto-génère une torche en fait. Bah je découvre. Alors excusez-moi. Bonjour, alors c'est un stream tutoriel. C'est découverte du jeu avec Agbou. Non, alors, comment est-ce que je fais? C'est-à-dire que si j'ai une torche au sol, il faut que j'ai une torche dans mon inventaire déjà. Ah, mais cela dit, je peux les éteindre. Mais oui, je peux en générer autant que je veux. Ah, mais oui! Attendez, on va essayer. Attendez, attendez, on va essayer. Donc, I did it. là, je mets la torche. Ajouter combustible. Ah, il y a trop de vent pour entretenir ce feu. Ah, bah super! Il y a trop de vent là, putain, j'aurais dû faire le feu au. J'allume la torche. Bon. Ouais, mais là, elle va s'épuiser, la torche. Alors, range-la. Ok. Je prends une torche. Je l'éteins. Non, merde. Bon, c'est pas grave. Je prends une torche. Merde. Pourquoi je peux pas prendre de torche? Pourquoi je peux pas prendre de torche? Ok, il y a urgence, attention. Ok, je l'éteins. Et là, je vais reprendre une autre torche. Bon, je peux la rallumer comme ça on le sait. Ok, je la rééteins. Oh putain, le vent se lève de toute façon. Alors, il n'y a plus de problème avec les torches. Le vent va se lever. Ok, c'est pas grave. Je continue l'exploration. Ah ouais, non, si j'utilise pas la bonne technique, c'est que de toute façon, je suis un con, hein, je le sais, hein, mais. Ok, c'est pas grave. Allez, on avance, on progresse, on réglera cette histoire de torches plus tard. Ouais, c'était ma technique depuis les tout débuts du jeu. Tous ces tests qui n'ont plus aucune valeur, à goût de comprendre 50% du gameplay. Bah non mais moi je triche pas en regardant la wiki, hein, c'est pour ça, hein. Moi je découvre le jeu, je joue le jeu à ma façon, c'est mon style. C'est un style alpin, c'est différent. En fait tu vides ton feu en tirant plusieurs torches, tu les éteins et tu les stockes. Ok d'accord. Oh purée. Alors là c'est pas bon du tout. Est-ce qu'il y aurait pas une caverne dans le coin? Oh putain. Est-ce que je fais demi-tour? Il y a un loup là-bas, ok, je fais demi-tour. Je vais aller me réfugier, je vais aller retrouver la voie ferrée et je vais aller me réfugier dans le wagon rouge. Ah, mauvaise idée. Mauvaise idée. Non, non, je me déplace pas avec ce blizzard là, quoi qu'il a l'air d'être tombé quand même. Non, non, tant pis, on fera ça genre sur le retour. Non, c'est pas bon. Ouais, parce que moi je gâchais des trucs de feu à chaque fois. Alors après, peut-être au niveau des ressources, en fait, c'est pas du gâchis. Parce que s'il faut vider ton feu avec des ressources, avec du bois, avec des torches, peut-être qu'en fait ça revient un petit peu au même. Mais si ça peut m'éviter une manip, je prends. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est mon feu.
Est-ce que je peux passer par là? Non, non, j'allais prendre une mauvaise décision. J'allais la faire, la connerie. Quoique si, hein, je peux, je crois. Je vais passer par là, en fait. Je vais passer par le tronc d'arbre. Non, si, si, on est Gucci, vous inquiétez pas. Moi, je me sens Gucci, en tout cas. Hein. Intérieurement, là... ma Gucciness, elle est bonne. Pourquoi je peux pas grimper, là? Voilà, merci. Merci le moteur physique. Oh là là, quelle habileté! Ok, le wagonnet doit être par là-bas. Normalement, je peux traverser, j'espère. Vaguement. Ouais, le wagonnet est là-bas. Ouais, je vais pouvoir traverser tranquille. Ah, j'aurais pu y aller, en fait. Hein. J'aurais pu y aller. C'est pas grave. C'est pas grave. Le temps est vraiment plus piégeux qu'en mode normal. Hein. Voilà, le chemin de fer est là-bas. Ok. Ça va, j'ai de la bouffe. J'ai le sac de couchage. Il y a un petit cadavre là-bas. C'est très bien. On va aller le dépecer. J'espère qu'il n'y a pas d'ours dans le coin. Est-ce que je peux y accéder facilement? C'est pas sûr. Si, par là-bas, peut-être. Ouais. Ok, c'est bien. Ça va, ça va. Oh, ça va me faire un kilo de viande, mais si l'expédition se prolonge, je serai content de les avoir. Ensuite, je passerai par là pour aller au wagonnet. On est bien, c'est pas l'ours là-bas? Non, c'est bon, c'est pas l'ours. Allez, il y a un petit contretemps, mais on est Gucci. Un kilo 7, je prends. 13 minutes en plus, ça coûte rien. Ouais. Faudra que j'aiguise mes couteaux aussi, mes couteaux et mâches. On est bien. 32 kilos. Et donc là, je vais faire un petit tour au wagonnet. Il va y avoir de la bouffe au wagonnet, probablement. Et je vais prier pour qu'il n'y ait pas d'ours dans les parages. Ah, le hurlement sinistre des loups, là. C'est stressant, hein. Oh, là, je passe, là. Ah, je passe, là. Ah, oh, c'est bon, je passe. Ah, c'est bon, je passe, là. Ouf, j'ai eu peur, j'étais bloqué par un polygone. En parlant de jeu de survie, comment évoluer Stranded Deep? Je connais, j'ai joué à Stranded Deep, peut-être, hein, je m'en souviens plus. Je ne sais pas. Tu me poses une colle. Alors attends, je regarde de l'autre côté s'il n'y a pas l'ours. Je vais aller faire le tour par là-bas. Bon, on a de la chance, la météo est bonne. Charbon, je prends. Nécessaire à couture, je prends. Je vois pas d'ours. Il y a un autre cadavre là-bas. Un petit sac à dos ici. Allez, on y va. Ok, c'est très bien. Bah écoutez, on est Gucci, hein. Ah, ça c'est... Ah, je croyais que c'était de la ferraille. Il y a de la ferraille dans le coin en général. Ça serait bien que je trouve un petit morceau de ferraille pour me faire un hameçon, parce que j'ai plus d'hameçon depuis que ma ligne a cassé. Voilà, il le dit, la ferraille est là, quel talent. Je prends du charbon. Oh bien, de la nourriture pour chien, j'adore ça. J'ai pas entendu un ouf-ouf, là. De quoi me faire du feu, impeccable. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir d'ours. Alors ça veut pas dire qu'il peut pas revenir un peu plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit camp de base ici. Oh là là, on est confort. Oh là là, on est confort. Qu'est-ce que c'est ça? Un coupe-vent, c'est peut-être bien. Je ramasse tout. On est confort ici. On va être bien. Ouais ouais, t'inquiète pas Pepper, on va poser des trucs. Message griffonné. Un souvenir contenant un message de survie. On est arrivé là, je t'ai laissé l'équipement. Ok. Pec. Hop. Y a rien. Hop. Le coupe-vent. Ouais, il est pas top le coupe-vent.
Combien je peux mettre dans le container? 15 kilos, ça va. Alors, je vais laisser de quoi faire du feu. De transférer. Tout le charbon, on va le laisser. C'est pas utile pour l'instant. On va laisser ça, on va laisser ça. J'ai pris beaucoup de fagotin. Je vais en laisser quand même ici un peu. Ça, je le transfère tout, évidemment. On a 4 kilos. Je vais laisser le couvent que j'ai trouvé. Je vais me laisser de la nourriture parce que pour l'instant, j'en ai pas mal. Je vais manger ça. Tac, tac, tac. Là, on est bien. Alors, les torches, bon, je vais laisser celle-là. Ok, je mange un petit coup. Merci CWC971. Merci aussi De Gralic, j'ai oublié de remercier. Un pouce les frères Farot, merci pour votre soutien. Sunlac, dans le DLC, il y aura une base que tu pourras décorer, mais tu pourras jamais construire comme dans Subnautica ta base. Hein. Tu pourras la décorer, tu pourras un petit peu la customiser, c'est ce qu'ils ont annoncé, mais on ne sait pas quand ça arrivera. Ça doit arriver d'ici un an, maximum. Qu'est-ce que j'ai intérêt à me faire là? Je vais laisser la viande ici. Ça me fera peut-être un peu de bouffe. Pour l'instant, je ne vais pas me la cuisiner. Quelle heure il est? Il est même pas midi, on est vraiment très bien. La lampe tempête, on va se la mettre ici. Je vais faire un peu de cartographie. Ah bah non, je peux pas. Il y a un super blizzard. Voyons voir cette histoire de feu là. Je vais en profiter. Alors attendez. Cela dit, est-ce que j'ai intérêt à faire un feu maintenant, à craquer une allumette pour ça? Non, on essaiera en chemin. Donc là, il y a du blizzard. Donc ça va être difficile d'aller jusqu'à la grotte. Par contre, je peux suivre la voie ferrée. Ouais, le charbon, je le garde sur moi. Oui. Je sais que le charbon, faut le garder pour avoir le gros bonus de chaleur. Faut en garder un sur soi, c'est vrai, t'as raison. Faut en garder un sur soi pour avoir le gros bonus de chaleur. Parce qu'en mode de difficulté stalker, le feu ne vous réchauffe que s'il génère plus de chaleur que la température extérieure. Et les bâtons, par exemple, ça rajoute 1 degré à la température du feu. Alors que le charbon, ça rajoute 20 degrés à la température du feu. Ok. Je vais continuer à la explorer, je vais suivre la voie ferrée, et si jamais j'ai un souci, je reviens en continuant à suivre la voie ferrée. Bon, cela dit, là, il faudrait que j'aille avec une torche quand même, hein. Ça serait plus malin d'y aller avec une torche. Ou alors je peux attendre que le brouillard se lève. Non, on va profiter pour faire un petit entraînement de torche. Alors, comment est-ce que je me débrouille avec les torches? J'en fais un ici, je mets un bâton. On va faire ça, faire du feu. Donc là, je prends des torches et je les éteins les unes avec les autres, c'est ça? Donc là, j'ai un gros feu. Je prends une torche et je l'éteins. Ok, je la range. Je reprends une torche et je l'éteins. Je la range. Je prends une torche. Et là, je continue comme ça. Et là, normalement, Acétone, c'est comme ça que tu t'appelles? Acétone, je crois. Je jette la torche, je sors une autre torche et je la rallume avec l'ancienne torche. C'est ça? J'ai fait la bonne manip? Ok, merci Acétone. Ah bah oui, ça va. Alors après, au niveau ressources, c'est la même chose en fait. Parce que quand tu prends une torche, ça épuise ton feu. Donc tu peux pas faire un tout petit feu et en sortir plein de torches, et en sortir une infinité de torches. Là par exemple, j'ai fait du feu avec du cèdre, et on voyait que ça enlevait 20% du feu à chaque fois que je... 20% de la durée de vie du feu à chaque fois que je... À chaque fois que je prenais une torche. Mais ça me fait une manipulation, ouais, ça me fait une manipulation en moins et ça me fait une chance de rater un allumage de feu en moins à chaque fois. Même si l'allumage de feu à la torche, en général, ça marche bien. Ok. Là, je me fais un petit peu peur. On est dans le blizzard. Ma stamina est pas ouf. J'ai 30 kilos. Donc là, il y a un autre wagon déraillé un peu plus loin. Avec du loot autour, et on va essayer de se choper ça. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Ensuite, d'abord, on se fera un feu. Il peut y avoir un ours autour. Ouais, et si l'ours, il me tombe dessus dans le blizzard.
Ah si je meurs, c'est l'endroit où je suis mort la dernière fois. Si je meurs au même endroit, je désinstalle le jeu tout de suite, hein, je vous préviens. Là, il n'y aura pas de pampan cucu, on désinstalle. Je vais jeter la torche. Ok, j'en sors une autre. Alors j'en sors une comme ça, je suppose. Elles sont où mes torches? Où sont mes torches? Bah, j'ai plus de torches. Bon, j'allume un feu. J'ai plus de torches. Outils? Ok. Et je peux pas les sortir avec le menu... je dois pouvoir les sortir avec le menu radial, normalement. Compliqué. Ok, on rajoute du bois de chauffage. Ah, elles sont là les torches, hein. Est-ce que je peux les sortir avec le menu radial? Ouais, je peux les sortir comme ça, ok, d'accord. Donc, alors attends. J'ai une torche à 30, une torche à 48. Celle-là, je l'ajoute ici. Là, j'en prends une. Je vais faire un essai, hein. Je la jette. Non, c'était pas là, c'était là. Je prends ça. Et là, je l'allume. Ok, c'est parce que le truc était même pas marqué qu'on pouvait l'allumer. Ok. Bon, bah, on est pas mal. Je l'éteins. Ok. Je reprends une torche. Je l'éteins. Ça fait quand même de la manip, hein. Je reprends une torche, je l'éteins. Oh, j'ai des roseaux. Je vais les prendre maintenant. Et prends-en le max de ton feu pour qu'il brûle pas pour rien. Bah oui, t'as raison, bien sûr. Je vais le déchirer, mon feu. Oh, toute cette bouffe. C'est trop beau. Oh là, je peux pousser l'exploration plus loin. Hein. Je vais aller à la map suivante. Hein. Là, franchement, je suis trop gouchi. Hein. Prendre torche. Éteint. Après, ça fait du poids sur soi. Hein. Et là, je prends une dernière torche et j'avance. Gucci. Plus de 100 jours en interlopeur, j'ai jamais vu cette technique, dit Nintendo sexuel. Et ben, moi, 200 heures de jeu, je viens de découvrir aussi. Je viens de découvrir la technique de la génération de torches par le feu. Bah faut dire que quand tu pointes sur une torche avec une autre torche, ça te met pas que tu peux l'allumer en fait. Ça te met pas le petit texte vas-y allume-la, donc c'est pour ça. C'est bon, il prend la confiance, dit Morgul. Oh bah oui, non mais là je suis bien, là je suis Gucci. Il doit y avoir un cadavre dans le coin, mais on va passer. Je vais passer à la carte suivante. Je m'en souviens plus du tout, je vais essayer de passer à Milton machin. Loup. Allez, tu te barres. Casse-toi. Casse-toi, je suis pas d'humeur, je te préviens, je suis tellement pas d'humeur, Pépère, tu te casses, allez, hop, hop, je lui donne des petits coups sur son cucu. Oh, c'est un ancien pote, hein. J'ai sûrement été élevé avec lui. Hein. Un autre qui veut me faire chier? Allez, viens. Viens là. Alors eux, par contre, ils passent pas sur la glace. Hein. Donc je me méfie quand même parce qu'elle est en train de... Vas-y, viens, voilà, approche, et là tu dégages. Ok, très bien. Allumage. Voilà, c'est pas marqué qu'on peut faire de l'allumage, mais... Ah, tu dégages. T'insistes pas. J'ai 25 torches, Pépère. Donc voilà. T'insistes pas. Tu te casses. Ah, toi aussi, tu te casses. Putain, c'est la ménagerie du cirque Pinder, là. Ils sont tous là, hein. Il y a un éléphant qui va débarquer tout à l'heure. Casse-toi. Casse-toi. Me fais pas chier. Casse-toi. Voilà. Approche-toi et casse-toi. Allez. Ouste. Ouais, c'est ça. Alors là, on est sur le second site où il y a un peu de loot. On commence à être en fin d'après-midi, je suis à 31,39 kg. Je regarde s'il y a des trucs à looter, mais dans la mémoire il n'y avait pas grand chose. Casse-toi. Casse-toi. Allez, tu te barres. Je prends. Là je vais commencer à être très lourd quand même. Ok. Un peu tendu.
Le blizzard qui s'en va pas. Hein. Et là... Décision. Est-ce que je fais chemin inverse et je vais me reposer au wagonnet, ou est-ce que je pousse pour aller à la carte suivante et essayer de trouver un abri à la carte suivante? Enfin, je vous fais pas confiance. Je vois Sunlight qui dit « Allez, on avance ». Non, mais sondage, mais vous voulez me voir crever, je vous connais. Je vous connais. On avance. Oui. Non. Oui, c'est brouillard, c'est pas bizarre. C'est le brouillard. Ah oh bah voilà, voilà. On a déjà les trois quarts qui votent, qui disent on avance, on y va. Tu vois le mal partout, dit Grickman. Merci Olifred pour le Prime. Un poussou, frérot, frérot, merci pour ton soutien. Ouais, bah YOLO, y avait-il? Bien sûr, YOLO, mais voilà. Hein. Allez. Oh putain, je suis sûr que je vais le regretter parce que la map d'après, je la connais pas trop. Bon, après, la température est pas trop basse, on a un sac de couchage. Et je pourrais toujours revenir dans le tunnel pour dormir sous le tunnel. Non, là, je sors du côté... je sors sur une nouvelle map, là. Je sors pas du côté du map mystère. C'est justement parce que tu ne la connais pas, survivre toujours au même endroit, tu vas te lasser. Oui, mais mourir à un endroit que je connais pas, ça va m'énerver aussi. Merci, Reds of Twifi. Un poussou, frère, frère, merci pour ton prime. Allez, on avance. On avance de quel côté, là? Attendez, j'ai perdu mon sens de l'orientation. C'est par là qu'on avance, hein? Ouais, c'est par là. Après, là, sinon, là-bas, j'ai un petit abri, hein, j'ai un lit. Mais alors, le trouver dans le brouillard, je crois qu'il faut grimper par là. Oh putain, il m'a fait peur le con. Casse-toi. Ah, je sens la mort rôder sur mes épaules là. Elle est là, elle me tape les épaules, elle me dit mais oui, vas-y avance, y a pas de souci. T'es caté frérot, qu'elle me dit. Au moins la température ça va. Mais si en pleine nuit je me tape un blizzard de folie, alors là il y a un petit abri, voilà, c'est cool. Hein. Est-ce que les torches se perpétuent Bon, on va tenter, j'espère. Allez, nouvelle carte. Les torches se perpétuent bien. On est à voie ferrée détruite. Alors, ça va, cela dit, il est vraiment pas tard. J'ai le temps de trouver un abri quelque part. Je vais boire un petit coup. Peut-être manger un petit coup aussi, pour éviter d'avoir la barbaque. Non, cela dit, j'aurais pas trop faim. Ouh, il y a l'air d'avoir une chute d'eau, une grosse chute d'eau. Ça, c'est un bruit de chute d'eau. Je regarde s'il n'y a pas des grottes dans le coin. Vous me backsitez pas, hein. Vous me dites pas si je suis près d'une grotte ou pas. Hein. Vous essayez de pas regarder la map, s'il vous plaît, soyez gentils. Vite. Allumage. Quel talent. Ok. Il faut que je me trouve un abri pour la nuit et que j'explore ça de jour. Alors tu parles que je vais jamais trouver d'abri ici, évidemment. Hein. Bon, cela dit, je peux continuer à suivre la voie ferrée et dormir sous le tunnel qui me fera un petit abri quand même. On va suivre la voie ferrée. Là, il y a l'air d'avoir une grande cascade.
Normalement, il y a une ville au bout de cette voie ferrée, hein, parce que la version américaine de la carte, ça s'appelle machin village ou quelque chose comme ça. Donc normalement, on devrait tomber sur un village. Bon, je suis bien niveau bouffe, je suis bien partout. Peut-être la stamina qui commence à être un peu limite, mais c'est normal, on est à la fin de journée. On va avancer. Oh putain, quel dommage qu'il y ait un... Quel bizarre, là. J'aurais tellement voulu pouvoir me situer facilement, pouvoir me repérer facilement. Putain. Où t'es, connard? Où t'es, connard? Où t'es? Il est peut-être là-haut. Bon, je vais avancer. Il doit être là-haut, je pense, en fait. Là, qu'est-ce que je peux faire ici? Ça a l'air tellement chaud. Ouais, je crois qu'il est là-haut, en fait. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est une frappe de pas. Ok. Allez, tu te casses. Tu te casses ou je te mets un coup de flingue? Casse-toi ou je te mets un coup de flingue? Voilà. Allez, casse-toi. Casse-toi. Tiens, il n'y a pas une grotte par là-bas? Oh, je la sens bien, la petite grotte. Il sent la petite grotte. Ça, c'est l'instinct du programmeur, attention. Putain, tu parles, il n'y a pas de grotte. C'est une ménagerie de loups, là. Casse-toi. Ok, un cadavre ici. Pas de grotte, là? Bon, elle fait plaisir, une petite grotte. Hop. Il me reste 3 torches, on est Gucci. Non, tu te casses encore, hein, pareil. Même schéma, même topo, vas-y, voilà, merci. Évidemment, il n'y a rien. Mais tu peux pas survivre sans torche ici, c'est incroyable. Hein. Ok, donc là on a vu qu'il n'y avait rien. Après ici on est dans une zone protégée, mais alors si c'est pour me taper des loups toute la nuit, tu parles. Ouais, je commence à être fatigué, là je baille un petit peu. Le brouillard se lève, ça c'est bien. Ah, c'est bien que le brouillard se lève. Si je descends par là-bas... Oh, va bien y avoir un petit abri, là je le sens l'abri, je sens l'abri, il sent l'abri. Il sent la grotte. Je viens de péter une cheville, vous allez voir. Attention. Ah, mais donnez-moi de la grotte, là. Ça, là-bas, c'est pas une petite grottouille? C'est pas une grottouille. Ok. Casse-toi, tu me fatigues. Casse-toi. Voilà. Oh, là-bas, si je continue, il doit bien y avoir un petit truc. Je vais juste jeter un petit coup d'œil par là. Ah, mais faut traverser, là. Ah, je sais pas si ça se pète ici ou pas. Ça se pète pas. Heureux. Heureux que ça se pète pas. Allez, là, je sens qu'il y a un bon truc. Là, je sens que je vais être récompensé de mes efforts. Je vais pas tarder à devoir lâcher la torche. Ouais, il y a une petite rivière qui va mener à un village, je le sens bien. Je le sens super bien. Je le sens très bien. Je crois que j'ai le bon goût. Ah, non, c'est un cul-de-sac. Ok, merci. Ok. On est moyen Gucci. Allumette, c'est toujours sympa. Là, y a rien, là. Purée, y a rien, cul-de-sac de merde. Je vais aller voir par là. Allez. Concentré, actif. Souple sur les appuis. Ce qu'il me faut, là, c'est un truc pour passer la nuit, hein, vraiment. Ça commence à urger. Ok, c'est toute la merde par là. Par là, y a pas. Je peux pas grimper par là-bas, hein. Ou une petite grotte par là.
Une petite grotte. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Non, il n'y a pas de grotte. On va... Non, c'est pas ça que je voulais faire. On a un peu de bouffe encore. Ah, mais alors, on continue par où dans cette carte? Parce que là, je vois pas dans quelle zone je peux continuer. Ah, si, peut-être par là, s'il y a un passage. Bon, attends, je vais essayer par là. Ah, j'ai un doute là. Non, on peut pas y aller par là. C'est chaud, hein. Un petit peu chaud là. Non, je peux. Là-bas, il y a. Ah, si, là-haut, il y a un passage. Il y a un passage là-haut. Il y a un passage avec le tronc d'arbre ici. Il y a un passage. Il a trouvé le passage. Quel don d'observation. Cet homme a un œil de lynx. Le faucon de la forêt. Ouais, ça va me mener un truc sympa là. Combien il me reste de torches? Il m'en reste une. Il m'en reste une, elle est toute pourrite. Au moins ça va me protéger des loups, s'il n'y a pas des loups dans le coin. Bon, au moins niveau bouffe, je suis vraiment tranquille. Entre les roseaux, la viande et tout, là je suis bien. Une grotte là. Allez. Non mais qu'est-ce que c'est ce qu'on pourrit là? Moi je voulais que ça grimpe et je voulais avoir un village derrière. Ah si, ça va peut-être grimper par là-bas. C'est chaud hein. Non, non, la situation est loin d'être désespérée. C'est juste que là, oui, il va falloir commencer à prévoir un petit lieu pour passer la nuit, quoi. Mais pour l'instant, voilà, on est bien, on est tranquille, on explore. Voilà. Le temps est convenable. Il faut juste que je trouve un beau passage vers ce village. Oh, voilà, ça c'est bien. Ça, c'est ce qu'on aime. Voilà. Câble électrique, allez. Voilà, et j'ai. Du coup, je suis passé de l'autre côté. Génial. Je me fais un petit feu parce que j'ai plus de torche. On va se le faire ici. Avec la torche, s'il te plaît. Faire du feu. Picard droit devant les Cygnos. Oh, ça serait génial, tu tombes sur un vrai Picard. Avec les caissiers et tout, tu peux acheter tout ce que tu veux. Contre des brindilles. Ça serait génial. Non, non, les allumettes, j'ai un autre paquet, c'est bon. On ne s'inquiète pas, c'est géré. C'est un programmeur qui est aux commandes quand même, hein. Je tiens à vous le signaler. Donc ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux pas récupérer des branches de serre? Ouais, 45 minutes. Est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en ai pas besoin. Torche. On l'éteint. Et on la range. 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 Torche. Et on l'éteint pas. On y va, on fonce. Donc là, je suis de l'autre côté de la voie ferrée. Par contre, putain, le chemin du retour, pas Gucci. Hein. Oh, là, va y avoir des trucs. Je sens qu'il va y avoir un petit abri pour Bibi. Un petit lit bien douillé. Les loups sont de l'autre côté, on est bon. Quel stress. Là je dois être à 30-20 de tension. Hein. Le soleil va bientôt se coucher. J'ai toujours pas d'endroit pour roupiller. La 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 la. La 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 la. Là il faut que je me fasse une base ici. Il y a des lapins dans le coin, notez-le, c'est important. Parce qu'on devrait passer un petit moment dans cette zone quand même. Là-bas, il y a l'air d'avoir un autre passage. Je vais continuer par là. Hein. Je vais continuer. Je vais suivre la. Je vais suivre l'électricité. Hein. Ça me paraît tout ce qui est le plus logique. Allez. Ouais, vous notez. Hein. Coin à lapin. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi? Ah, c'est un train. C'est dommage. J'aurais bien voulu que ça soit un petit abri. Ah, purée, il y a un autre passage bloqué là. Un petit déraillement. Alors après, peut-être que je peux mettre à l'intérieur du train. Oh, j'ai pas l'impression. J'ai découvert moteur de locomotive. Ok. Ah, oh, oui, si je peux aller là-haut. Non, je peux pas aller à l'intérieur. Non.
Je vais fouiller plus tard. Je reviendrai sur mes pas. Là, l'essentiel, c'est de progresser, de trouver un abri. Voilà, par là, ça continue. Il y a le truc électrique. Il va falloir que je change de torche bientôt. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Putain. Tu vas te casser. Allez, casse-toi. Casse-toi. Pourquoi il m'a attaqué? Pourquoi il m'a attaqué, ce bâtard? Ok, ma torche. Je... Putain, il y en a encore un autre. Non mais c'est des fous furieux, ces loups, là. Casse-toi. Casse-toi. Non mais c'est des fous, ceux-là. Bon, attendez, faut que je me soigne. Non mais c'est incroyable. Ils respectent plus rien, ces gens-là. Morsure de loup au ventre. Heureusement que j'ai eu des désinfectants. Hein. Ouais, tu te casses. Et que je te revois plus dans mon quartier. Hein. T'es pas le bienvenu ici. Putain, je vais quasiment être à court de désinfectants, là. Premier secours, oui. Ça, morsure de loup. Oh là 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 là. Du coup, faudra que je prenne des mousses désinfectantes, là, parce que je vais commencer à être un peu limite. Allez, on est bien niveau bouffe, on est bien niveau ouais, casse-toi. On est bien niveau soif. Là, il va falloir commencer à trouver un petit abri. Allez, là, un petit abri. Eine kleines abrited, comme on dit. Voilà, va y avoir de l'abri là-bas. J'irai fouiller tout ça plus tard. Pour l'instant, je me trouve un abri, je me fais un petit feu, je bouffe. C'était chaud quand même. Voilà, c'est bien ça. Allez, on va se faire un camp de base ici. On va pouvoir explorer toute la région. La torche, c'est bon. Oui, oui, je sais que je peux aller dans les véhicules et tout. Mais je voudrais bien un vrai abri, quoi. Un petit chalet. Un petit deux pièces. Un duplex. Voire un trois pièces cuisine avec une belle vue sur la montagne. Ça me ferait très plaisir. Donc ça doit être un camp de bûcheron à la con, je suppose. En espérant qu'il n'y ait pas... Est-ce que, par exemple, je peux aller là? Bon, voilà, au pire, je peux aller là. Il y a Jojo le cadavre. Non, je vais la laisser. Je vais refermer derrière moi, quand même, pour pas que ça se refroidisse. Oh, ta gueule, toi! Tu te casses. Putain, mais casse-toi! Ah bah, il a bugué. Ah bah voilà, ah bah super, ah bah GG les développeurs. Ah, ils sont deux. Non, tu te casses. Non, tu te casses. Je peux pas fermer la porte? Voilà. Est-ce que j'en ai encore des torches? Ouais, j'en ai encore. Non, tu vas pas me faire chier, toi. Bon, bah, il y a un petit lit. Il y a tout le confort. Regardez ça. J'ai un bureau, j'ai un ordinateur moderne. They hate the light. Ok, d'accord. Bah ouais, j'étais un petit peu au courant. Il y a de la bouffe et tout. On est bien. On est Gucci. Non, mais tu te casses. Voilà. Putain, je l'ai mis sur le museau directement. Ok. Eh bah ça va être joyeux, s'ils me font chier à H24 là, purée, je vais bien dormir moi. Bon, on est bien. On va looter, déposer des trucs. Est-ce que j'ai de quoi faire un feu dans le tas là? Oula, c'est bien ça. Oh yes. Intérieur. Trop bien. Oh oui. Oh que c'est bon de se sentir enfin en sécurité. Est-ce que... Oh c'est trop bien. Oh là là, je connaissais pas ce décor, il est magnifique. Oh j'ai de quoi faire un petit feu, un petit bras zéro et tout. Tellement Gucci. Oh là, on est bien là. Oh, je vais trouver plein de trucs cool. Regardez ça, il y a du loot de partout. Il y a des cadavres aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'instant? Est-ce que j'ai besoin de faire un feu? Non, pas vraiment. Bon, alors, on boit. On va peut-être manger un petit coup. Bon, on va manger... Non, je vais manger ça d'abord.
Parce qu'en fait, ça attire les loups, ces conneries, quand même. Hein. Ok, alors on va s'organiser. Je vais visiter un peu d'abord. Regardez s'il n'y a pas des trucs sympas, ça je m'en fous. Poubelle. Bon, cela dit, on va tout récupérer et tout déposer dans un même endroit pour se faire une grosse cache. Ok. Ouais, on va y aller. Est-ce que je peux dormir dans un coin ici? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lit? Alors, il y a un lit à l'extérieur, mais ça me plaît moins. Je me sens moins en sécurité. On va fouiller les tiroirs. Cuir séché, ça sert toujours. Ok, retour. Ouf, que d'émotion. Une hachette, je prends. Ok. Je prends en ligne de mire. Très bien pour l'arc, impeccable. Va falloir tarder à faire un petit feu. Je suis quoi en température? Ouais, c'est le décor intérieur, donc la température ça va être 5 degrés, c'est impec. Un pied de biche, j'en ai déjà un, mais ça fait toujours plaisir. On va se prendre ça. Si je pouvais trouver un peu de soin aussi, ça me ferait bien plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'allumer mon feu. Cela dit, est-ce que j'ai besoin de feu? Oui, j'ai besoin de feu parce qu'au niveau eau, je suis pas terrible. Donc je vais me faire de l'eau. C'est quoi ça? Ok. Ouf. Oh, que d'émotion. Il est autant en sécurité dans que mon poisson rouge dans son bocal face à mon chat. Bah si. Si, si, là je suis en sécurité, les loups vont pas me faire chier, voilà, je suis bien, j'ai de la nourriture, enfin j'ai pas énormément de nourriture mais ça va. Pourquoi je peux pas rajouter du combustible? Si je peux, voilà, on va mettre ça, on va mettre du bois de chauffage, on va mettre les torches qui sont terminées. On est bien, on en a pour 2 heures, on va se prendre une petite torche pour s'éclairer et on est Gucci. Allez! Séquence de loot extrême. Je vais d'abord déposer des trucs. Alors où est-ce que je vais mettre tout mon bostache? Je vais le mettre ici. À 10 kilos, c'est que dalle. Y a pas un gros placard dans le coin, là? Bah, c'est pas grave. On va se contenter des 10 kilos. Alors, je vais laisser... Ouais, ça, je vais le mettre là. Ça, je transfère. Ça, je garde. Est-ce que j'ai trouvé des trucs? Non. Je vais mettre ma bouffe ici. Tout transférer. Ça c'est bien. Tac tac tac. Ça je mets ça ici. La hache je la mets là. Ça j'en aurais pas besoin. Ça me prend 1 kilo, c'est pas utile. Faudra que je dépose tout de suite mon sac de couchage. Ça on va tout transférer ici. Et on est déjà quasiment à 7 kilos. Sac de couchage. Si je peux pas me coucher ailleurs, on va se mettre... Bien confort, bien cosy. Je peux pas me mettre là? Non? Là? Si, là. C'est moyen, mais ça passe. Je suis à 25 kilos, on est impeccable. Allez! Un petit peu de bouffe. Fait plaisir! Oh là là, c'est Byzance. Y'a de tout. Mais bon, ça peut être ma nouvelle base. Une corde, je vais la prendre, je vais la déposer. On sait jamais, ça pourra me servir. On va la poser ici. Si je peux. Non, là, voilà, ça sera très bien. Ouais, j'ai vu des lapins tout à l'heure. Il y a des loups. Pour l'instant, je suis encore bien au niveau nourriture. Oh là là, il y a du fruit. Oh non, mais au niveau nourriture, là, c'est... Oh, regardez, beurre de cacahuète. Au congélo, il y a peut-être des petits fagotins picards. J'adore ça. Non, il n'y a pas, c'est dommage. Ah, il y a le lit qui est ici, c'est... Munition pour revolver, parfait, mais parfait. Encore une lampe de poche, j'ai 3 lampes de poche. Je vais ouvrir un magasin, je peux ouvrir une quincaillerie. Ok, on va continuer à looter. C'est pas grave si la torche disparaît. Ah oh, bah là, on est Gucci, là. On est Gucci. Ah, il est bien cet endroit, hein. Il est super bien.
Je vais aller jeter la torche, je vais m'éclairer avec ma petite lanterne, ça sera plus pratique. Ajouter combustible, ajouter combustible. On allume la torche. Qu'elle me serve au moins. Je l'ai looté lui ? Ah non, je l'ai pas looté, il y avait deux cadavres gelés hein. On peut aussi looter les... Tiens, voilà, ça, là, je viens trouver un beau vêtement. Super, merci. Donc je regarde aussi dans les boîtes à gants des bagnoles, si on peut les looter. Normalement, on peut... Ah, pas celle-là. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Je prends. Container métallique, je prends. Ok. Oh, je suis bien, là. Tellement bien. Ah j'ai... Bah c'est l'œil d'aigle hein, quand j'ai trouvé le passage pour contourner l'éboulement sur la voie ferrée. C'est ça qui fait la différence. Vous, vous seriez encore en train de vous glacer le cul à côté de la cascade. Ah, je vous le dis parce que c'est... Voilà, c'est ce qui serait passé, évidemment. Vous le savez, vous le savez. Là vous faites gnu gnu gnu, c'est pas vrai, mais en fait vous savez très bien que si. Pile de papier, ça c'est toujours cool. Ça sera ma petite chambre. Au niveau bureaulogique ça se tient en plus, l'endroit n'est pas dégueulasse. Drapeau canadien, ça fait plaisir. Allez, on fouille. Pour l'instant, il n'y a que de la merde. Faut juste pas tomber sur un ours en sortant. Bah, il y a les loups, mais c'est pas grave. Les loups, ça se gère. Voilà, on est habitué. Ah, s'il y avait une petite forge dans le coin, ça serait génial pour que je puisse me faire un petit hameçon. Ouverture de forge du casier, parce que j'ai la... Parce qu'évidemment j'ai le pied de biche. Ça c'est bien. Boisson énergisante, ça c'est bien. Ça c'est très bien parce que j'avais un emplacement libre ici. 21 degrés de bonus de chaleur. J'ai les testicules bien aux hoches. Il y a une forge. Trop bien. Encore un caleçon long. Non mais un pull de pêcheur usé. Non mais stoppez-le, ça n'en finit plus. Du coup là je vais avoir... Deux pulls de pêcheur. Oh là 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 là. Bon alors après le pull de pêcheur, bon cela dit, il rajoute que 250 grammes. Je vais me faire un petit... je vais me faire un petit atelier couture ce soir. Peur de cacahuète, bûche calorifique, mais stop. Mais ça y est, il a cassé le jeu, c'est trop facile. Oh je le désinstalle. Non mais c'est bon, là je survis 25 ans ici là. J'ai trouvé la zone cheatée. Alors là j'ai tout bien fait. L'important c'est de rien oublier. Ça, si j'ouvre, il y a que dalle, on s'en fout. C'est pas un petit truc là ? Non. Il y a même du bois à gogo pour faire des feux. Bon, après, j'aime pas trop les grincements. Mais ça va, je les supporterai. J'ai quitté l'abri par là ? Ok. Les tiroirs, je les ai pas fouillés encore ceux-là. Il me manque un petit fusil. Je voudrais bien me trouver un petit fusil, ça me ferait plaisir. Oh, il y a un étage, mais c'est un duplex. J'avais demandé un duplex, j'ai un duplex. Alors, question à ceux qui connaissent bien le jeu. Oui, Dodo, c'est vrai. Est-ce que ça vaut le coup de toujours casser les caisses ? Oui, j'ai le DLC à 7 tonnes. Parce qu'on peut casser les caisses et de temps en temps trouver quelque chose dedans, mais c'est tellement rare qu'on trouve quelque chose dans des caisses. Une fois dans une caisse, je l'ai cassé à coup de hache et j'ai trouvé 3 accélérantes. Privé de dessert dit oui, ça vaut le coup. Bon après, si t'as une journée de libre, t'as que ça à faire. Ouais, j'ai assez de bois. Mais c'est pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Parce qu'il y a des caisses, des fois, qui drop du loot. Et des fois, il y a des trucs cachés derrière les caisses. Ok, on me dit non. Acetone, qui est le spécialiste de la soirée, me dit non. Donc je vais écouter Acetone. Alors, on m'a dit qu'il y avait une forge dans le coin. Pour l'instant je ne l'ai pas vu, mais je vais la trouver bien sûr parce que je suis un pro-gamer et je maîtrise complètement tous les paramètres du jeu. Là j'ai déjà tout fouillé bien comme il faut, on regarde ici, la poubelle elle est fouillée. Il va falloir que je fasse dodo bientôt. Bon on va aller se coucher les pépères. Je propose qu'on aille se coucher, putain j'ai pas fait d'eau par contre. Non faut que je fasse un peu d'eau. Je vais être très fatigué mais c'est pas grave, faut que je fasse un peu d'eau. Parce que j'ai quasiment plus rien à boire. Bon après vous me direz j'ai des sodas et tout hein, mais les sodas j'ai plutôt les garder pour l'extérieur. On va se faire un peu d'eau quand même. Non c'était pas ça que je voulais faire. Oh. Non. Non. Oh merci.
fondu dans 54 minutes, faudra que je rajoute un peu de combustible. Je vais rajouter ça. Je vais être fatigué mais c'est pas grave, ça me fait pas de malus particulier. Au bouillie dans 54 minutes, ouais ouais on y va Pépère, t'inquiète pas, je te fais ton eau et après on se barre. Je la prends et on va se coucher. Alors là par contre je connais pas l'endroit par cœur, donc heureusement que j'ai pris ma loupiote. Il y a deux sorties. La forge a l'air d'être... Je sais pas où est la forge. On va regarder ça demain matin. Non merde je suis perdu. Où est mon lit? Où est mon plumard? Il est là. Non il est pas là. Où est mon plumard? Il a l'air d'être peut-être par ici. Non. Alors attendez que je me repère. Bah si il devrait être là mon lit, non? Ah il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. C'est bon, c'est maîtrisé, vous inquiétez pas. Y a pas de souci. Oh que je suis content de me foutre au pieu. Allez 10 heures de sommeil. 12 heures même, 12 heures, 12 heures, vas-y, à fond. Non, à côté du feu, c'est mon sac de couchage. Mais j'en ai pas besoin. Oh, attendez. Je reprends un peu mes esprits. Oh, je me lève là. Le lendemain vient de se lever. Nanata, une belle journée. On y a de loutards capturés avec un bout. Ils sont où là tous ceux qui avaient parié des fortunes colossales sur ma mort? Je ne les entends plus, où sont-ils? Non? Non? Hop! Hop! Ah c'est bizarre! Hein? Non mais le stalker c'est trop difficile, il va mourir, les loups vont lui tomber dessus, nana. Je vous ai vu hein, pousser des cris de joie quand je me suis fait attaquer par le loup psychopathe là, qui m'a attaqué alors que j'avais quand même la torche. Agbou, j'ai un trou de mémoire. Quel chat t'avait dit d'avancer? Oui, non. Je rends à César ce qui appartient à César. C'est vrai que le chat m'a dit d'avancer. J'ai avancé. Et grâce à mes compétences, mon sens de l'orientation extraordinaire, ma vision d'aigle, eh bien, j'ai pu trouver un bel abri. Non, c'est vrai. Mais bon, on va dire que si j'ai trouvé cet abri, c'est en petite partie grâce à vous. Genre 4%. Donc ça m'écorche la gueule, mais quelque part, il faut que je vous remercie. Parce que moi, c'est vrai que j'étais prêt à faire demi-tour. C'est vrai que je me suis dit, non là, c'est trop risqué. On va se faire une petite stage de nourriture à l'extérieur pour pas que ça pourrisse. Alors attendez, faut que je me repère au niveau des sorties. Parce que je le connais. Alors il y a une sortie ici. Oh non, elle doit être condamnée, je pense. Ah non, elle est pas condamnée. On va voir où ça sort. Là, il y a un loup qui va me tomber dessus, hein. Vous êtes tous les cons, Fido, Sultan. Vous avez l'air de s'être barré, ok. Donc ça sort de ce côté. Oh, ce que j'ai même envie de faire, regardez, je vais faire un petit plan. Pour commencer à me repérer un peu dans la région. Ok, on est à l'abri de maintenance et je pense qu'on venait de par là en fait. On est d'ici. Ok, on rentre. Là il y a ça, ok. Voilà, il y a encore plein de trucs, mais c'est fou, j'ai même pas tout looté, mais c'est incroyable ce qu'il y a à looter ici. Formidable. Oh là, mon humeur a pris 20. Oh, il y a les aléasies à métaux, trop bien. Je la cherchais. Du coup, j'ai métal quasiment infini. Qu'est-ce qu'il y a à l'étagère en métal, on s'en fout. Là, un petit livre. Là, il y a rien. Ça me ferait plaisir de trouver un beau vêtement. Chaussette en laine. Il le dit, il le trouve. Sous vos applaudissements. C'est exactement ce que je voulais, des chaussettes en laine pour mes chaussures de sport toutes pourrites là. Faudrait que je fasse un... Je vais faire un atelier couture tout à l'heure. Ouverture de force à laine. Un beau vêtement là. That'll come in handy. Oh j'ai cassé le jeu. Non mais je l'ai cassé. Oh bah là je suis top Gucci, là je suis maxi Gucci, là c'est plus possible. C'est un Zara le truc, c'est un H&M, il y a tout ce que je veux.
Et je voudrais un smoking, s'il vous plaît. Bah, il va arriver, là. Prochain truc que je... Tiens, je vais boire dans les toilettes. Je peux pas boire. Enfin, non, je peux prendre l'eau, mais je peux pas boire directement. J'aime bien laper directement l'eau des chiottes. Chacun ses kinks. Arrêtez de me juger, s'il vous plaît. Allez, on fouille le casier. On va encore trouver plein de trucs. Faudrait peut-être du tissu, parce que j'ai pas mal de choses à réparer. Antiseptique, j'en voulais. C'est Noël. C'est mon... Ça y est, c'est mon soir de Noël. On est le combien? On est le 22. Bah voilà, c'est mon soir de Noël. Jingle bell, jingle bell. Des munitions pour fusil, des bottes neuves, enfin... N'arrête plus. Voilà, si ça se trouve, il y a l'eau courante, il y a l'électricité. Je pense que je vais allumer l'ordinateur, je vais booter, il y aura Windows 11, hein. Je vais pouvoir lancer The Long Dark sur l'ordinateur de The Long Dark, si ça continue comme ça. Ok, là, j'ai tout bien fait. Là, j'oublie rien. Je vais prendre du tissu. Il y a du charbon, il y a... Alors ça c'est la forge, ok d'accord, ça c'est la forge, impeccable, là, deux pieds de biche. Le programmeur arrive dans un endroit, deux pieds de biche, trois caleçons en laine. Non parce que je pense que le jeu, dans la randomisation du loot, prend aussi en compte le talent intrinsèque du gamer. C'est-à-dire que vous auriez trouvé une boîte de conserve et une paire de chaussettes trouées, moi voilà ce que je trouve. Si, je pense que ça compte. Hein. Je pèse combien? Je suis à 43,51, ce qui est un peu lourd, mais enfin, quoi que je voudrais bien peser 43 kilos en vrai. Normalement que ça sera un peu limite. Il va falloir que je dépose tout ça dans mon petit endroit magique. Alors, tiens, ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un étage bouffe. Ouais, t'inquiète pas, Pépère. On gère. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Transférer tout. Là, j'ai toute ma bouffe ici. Je vais la mettre tiroir du haut. Ah oui, non, il fallait que je me trouve un truc pour mettre la bouffe à l'extérieur. Oh non, attendez, je vais faire mieux. Je vais mettre ma bouffe... Je vais la mettre bien comme il faut. Où est-ce qu'il y a une petite table pour présenter ma bouffe? Oh tiens, là-haut. Ouais, alors, on jette. Oh, ok, incroyable. Je crois que j'ai jamais eu autant de trucs. Voilà, on va se mettre ça là. Ça là. Ça là. Ça là. J'adore ranger. J'adore ranger dans ce jeu, c'est vraiment trop bien. J'adore exposer mon loot. C'est des petits détails, c'est con, hein. Mais y a pas ça dans Call of Duty. Y a pas ça dans Disco Elysium, par exemple. Au hasard, hein, je veux pas m'acharner sur un jeu. Ce que je voulais trouver, c'est... Putain, je suis toujours à 43 kilos. Qu'est-ce que je peux poser en vitesse, là? Je vais boire encore un coup. Merci Max Kali, merci The Juntu. Un pouce sous, les frères en frère. Merci pour votre soutien. Est-ce qu'il faut pas que je bouffe? Si, je vais bouffer. Je vais bouffer ça, tiens. Allez. Un petit steak de cerf, comme ça, sur le pouce. Et on va aussi manger ça. Allez, du 150 calories. C'est bon, ça. Oh, j'ai le ventre. Je me fais péter le ventre, là. J'ai les dents du fond qui baignent. Donc, je voulais trouver l'autre sortie, qui doit être là-bas. Non, c'est pas celle-là, l'autre sortie. L'autre sortie, c'est... Alors, attendez, que je me repère... Parce que j'ai encore du mal à me repérer. Ok, je suis arrivé dans ce sens-là. Non, je suis arrivé par là. Et l'autre sortie est là. Ok, d'accord. Faut que je me mette le lien en tête. Et je vais... Donc ça, je vais le... ma bouffe solide, en fait, je vais la garder. Non, c'est pas là que je voulais aller. C'était là, moi. Voilà, c'était là que je voulais aller. Là, je vais me faire un petit congélo. Je vais me le faire ici. J'ai même pas looté encore ça. Hein. C'est fou. Alors vas-y, et là je me mets toute ma bouffe. Je vais me garder, tiens, des chips et des crackers, ok, j'ai un petit casse-dalle comme ça, tranquille. Ok, il fait combien là en extérieur? Alors, il fait quand même beaucoup plus froid. Bah là, bureaulogiquement, j'ai envie de dire, ça se tient, le cable management est impeccable. Hein. Vous remarquerez.
Pas de spaghettis dégueulasses. Je prends. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc sous le lit? Un petit parka sous le lit. Oh, c'est bonus, ça fait plaisir. Cela dit, il a l'air pas mal ce parka. Je vais regarder ses caractéristiques tout à l'heure, mais il a l'air assez Gucci. On fouille la poubelle. Je vais en profiter pour fouiller cette zone extérieure que j'ai pas fait. Là, il n'y a pas un petit truc caché? Non. On entend les loups, mais on s'en fout. Ils peuvent gratter à la porte, les cons. Voilà, c'est pas la folie, cette zone. Non, y a rien là. Y'a rien là. Rien là. Ici. Des chaussettes en laine. Ah. Il faudrait une deuxième paire de chaussettes en laine. Oh, un revolver. Dans le pot de fleurs. Le pro-gamer. Le revolver. Bon, j'en ai déjà un, hein. On n'est plus à ça près. Vous savez. C'est... Ah, et puis le coin est sympa en plus, hein. J'aime bien, il est un peu isolé, loin du vent, il y a des petites barrières autour. Non, franchement, belle découverte. Très heureux de mes nouveaux locaux. Alors donc, quand j'arrive, la sortie que je veux, elle est... Ok, d'accord. Elle est par ici. Ok. Est-ce que j'ai oublié de looter des trucs encore? Là, je vais me faire un petit stock de... je vais déplacer mon bois ailleurs. Tous mes trucs bois, je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre ici. Alors, bois, le charbon, on s'en garde un. On va se mettre la bûche calorique. On va se mettre tous les journaux, là, tous ces trucs dont j'ai pas besoin, qui m'encombrent. On va même pas se garder de livres. On va transférer ça là. On transfère tout ici. J'ai peut-être pas besoin d'autant. Ça, je vais le déplacer aussi ici. Bon, eh bien écoutez, je suis Gucci. Il est 22h30. Je vais faire une journée loot dans les parages. Et puis après, on s'arrêtera là parce que j'ai pas mangé et j'ai faim. Ouh, vous savez ce que je vais faire? Quelle heure il est là? Il est... Je vais mettre ma pizza à cuire. Je vais mettre ma pizza Dr. Oetker à cuire, vous bougez pas. Oui, Taekwondo, ça sauvegarde uniquement quand tu dors ou quand tu rentres dans un bâtiment, je crois. Mais moi, je fais les sauvegardes que quand je dors, en fait. Voilà, de peur de rater un truc. Alors, ça, c'est fouillé. L'autre bagnole, est-ce que je peux pas rentrer dedans ou la fouiller? Je peux pas rentrer dedans par là? Non. Non, je peux pas fouiller. Je crois que là, j'ai tout bien loot, hein. Ici, j'ai loot. Je vais aller looter un peu en extérieur. S'il y a les loups, je rentre à toute vitesse. Ça, c'est super loot. Non, dommage. Là, c'est loot. Là, c'est loot. Là, c'est loot. On est full loot. Je vais sortir par là, voir ce qu'il y a à l'extérieur. Oh, j'ai bien trouvé une petite boîte de sardines. Il n'y a pas l'air d'avoir les loups. Ouais, non, cela dit, ça a pas l'air ouf en extérieur. Du charbon, veux-tu, en voilà. Je suis à combien? 38 kilos encore, hein. Là, il y a du bois, mais je vais pouvoir faire des feux de joie jusqu'à la Saint-Glinglin. Oui, la Saint-Glinglin. Oui, merci Cumulo Cactus, merci Max Cali. Un pouce sous, les frères en frérot, merci pour votre soutien. Il y a bien un petit container dans le coin. Alors, regardez toutes ces palettes, là. Mais je peux foutre le feu à la forêt avec tout ça. Je vais aller looter par là-bas, j'avais un truc à récupérer encore. Oh, c'est trop bien. Trop bien cet endroit. Ça va être ma base principale pour... Là, je suis ici en fait. Je suis là, voilà, je suis à Milton. Et ben ensuite, on ira explorer la vallée de la rivière Calme. Ça sera trop bien. Alors après, faut pas trop m'enflammer parce que je sais que la bouffe ça part vite, donc faudra quand même faire des journées de chasse, des trucs comme ça. Ok, là y a rien de particulier.
Là, ici, j'avais un petit truc. Les loups sont barrés. Ils ont compris, les loups. Hein. Ils se sont dit, non, mais laisse tomber, là. Il a trop trouvé de trucs. Je lui ai dit de pas aller par là, mais il est têtu, ça le rend parfois stupide. Ok. Faut pas que je la prenne, la note, hein. J'ai pas besoin de la prendre, on est d'accord, hein. Si, je l'ai fouillé, lui. Ah oui, voilà, je voulais prendre ça. C'est jamais, ça pourra me servir. Cela dit, non, ça va pas me servir, ça. Ouais, non, ça va pas me servir. Ça se mettrait ici, je crois. Non. Où ça commence à gueuler? Qu'est-ce qui se passe? Putain, il est pas loin, là. Hein. Ah, là-bas. Oui, il faut aller fouiller les bagnoles. Bon, quand même que je me méfie. Souvent, dans les bagnoles, il y a des trucs. Compartiment à gants. Non, il y a rien. Il y a rien. Ok. Oh, putain. Oh, le connard! Mais quel connard de loup, mais c'est incroyable ça hein. Mais c'est-il pas possible? Je sors de la bagnole, il m'attendait. Mais dors, voilà. Mais où est-ce que t'es, espèce de bâtard? Oh non, je craque pas une torche pour ça. Non, j'attends qu'il parte. Hein. Non, non. Je vais passer un peu de temps. On va passer une heure. C'est bon, il est midi. On va passer une heure. Médor, il va dégager. Ah, je le vois pas. Hein. J'ai fait le tour de la voiture comme un clown. On va bien te faire foutre. Ah, il est là-bas. Hein. Il est là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Approche-toi, connard. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Je peux pas la fermer cette porte, j'aurais bien la fermer. Allez. Oh, vraiment, je perds de l'espérance de vie à chaque fois qu'il y en a un qui me tombe comme ça. Ça j'ai fait. On peut trouver des batteries de temps en temps. Alors, vous trouvez des batteries qui pèsent 15 kilos, ça m'est arrivé. Et je crois qu'on peut en faire je sais plus quoi des batteries. On peut les crafter pour faire un truc. J'avais regardé sur la Wikipédia mais je m'en souviens plus. Je vais déposer ce que j'ai trouvé. Charbon. 37 kilos encore, je suis très lourd. Je vais déposer... Bon, je vais faire un petit atelier couture. Tiens, je vais faire un petit atelier couture là. Quelle heure il est? On va faire un petit atelier couture. Alors... Faut balancer la batterie sur le truffon du loup. Et on va faire ça. On va prendre ça. Chaussettes de laine. On les porte. 22 degrés, quel talent. Tout le reste. Alors, est-ce que le caleçon long en laine, c'est mieux que... Attends, j'en ai 3 des caleçons longs en laine. Ouais, ça a l'air d'être mieux que les sous-vêtements thermiques. Donc, il faut que je les répare. A l'air mieux. Ça, c'est moins bien, par contre. Oui, ça, c'est beaucoup moins bien. Là, j'ai une veste de ski. Là, j'ai un parka simple. Alors, le parka, je l'avais déjà. Et la veste de ski a l'air un peu mieux, en fait. Plus 0,8. 33. Ouais, donc on va pas changer. Par contre, le pull de pêcheur, il est vachement bien. Je vais être à 25 de bonus. Hein. Ça va être fou, hein. Ouais, la laine, c'est ce qui est le plus efficace, Yarderion, ce qui est dans la vraie vie, c'est ça aussi, donc très bien. Ok, alors, est-ce que je peux récupérer du tissu? Oui, il y en a, il y a tout. 3 tissus, comme ça, cadeau. En fait, c'est Jojo le rigolo dans le Grand Nord, ce jeu. Tiens, regarde ce qu'il dit, Jojo le rigolo, voilà. C'est pas Jojo le rigolo. C'est Agbu le Mal Sigma. Oh là, il y a un jerrycan. Là-bas, on prend. C'est le Mal Ultra Sigma qui domine tout, qui fait fuir les loups, rien qu'avec son regard. Est-ce que tu fais fuir les loups avec ton regard, toi? Non, je te le dis. Hein. Je te connais pas, Duncan. Hein. Mais toi, je suis sûr que tu te rapproches face à un loup, le truc comme ça, là. Alors que moi, comme ça, je les regarde. Je bombe le torse. Je pense à toutes mes techniques de PUA. Et ils baissent le regard, ils s'en vont. Qu'est-ce que je voulais déposer? Je voulais déposer le jerrycan.
il est là. Je vais peut-être... non, je vais peut-être remettre un coup dans ma... lampe. Ravitaille, vas-y. Mais bien sûr que je la regarde dans les yeux Chino. Évidemment, je la regarde comme ça. Chante du Francis Cabrel. Je la regarde comme ça et je l'ai fait. Et ça continue encore et encore. Ils sortent d'où ces acrobates avec leur costume de papier. Et le loup, il fait... Ah, Francis Cabrel, ça les impressionne les loups. Hein. Francis Cabrel était probablement aussi un enfant loup. Il faut que je pose le jerrycan. Qui est là? On va le poser tout simplement ici. Voilà. Atelier couture. Atelier couture, il faut que je répare en priorité celui-là. On va le réparer. Juste regarder ce que j'ai au niveau... Bon, je vais boire un petit coup, j'ai pas beaucoup d'eau, c'est pas grave. Vas-y, bois, bois, bois. Quand je vois un PGM comme ça, j'ai honte d'être moi. J'essaie Yoxosot. J'espère que vous regardez pas ce stream en couple, hein. Parce que sinon, votre conjoint ou votre conjointe... ça, vous le savez, hein, je le dis, hein, ne me regardez pas en couple. C'est pas bon. Honnêtement, vous voulez... Je suis là en train de looter la moitié de la galaxie et forcément, à côté... c'est ça que j'ai épousé. Pourquoi est-ce que j'ai pas épousé un streamer Sigma comme Agbu? Mais il faut que je revoie mes choix de vie. Méfiez-vous. Méfiez-vous. On a vu plus d'un couple qui s'est séparé après avoir découvert mes streams. Et ensuite, ils se glissent dans mes DM, ils disent « Ouais, je viens de divorcer, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, boire un café ?» Moi, je dis non. Là, je vous le dis. Hein. Pas de ça chez moi. Hein. Moi, je rencontre jamais mes fans. Je préfère rester dans ma tour d'ivoire. Je préfère rester ce mal Sigma inaccessible. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Atelier couture. Atelier couture. Et donc, on va recoudre ça. 30%, répare-moi ça. Ça va faire un beau bonus de chaleur, ça. Il est à 89. Allez, on répare encore. On répare encore, on se met à 100%. C'est trop tard, elle est partie il y a 20 minutes, dit Neogenesis. Ah, bah, écoute, je vais regarder si elle est dans mes DM. Elle est dans mes DM. Désolé, Neogenesis, mais je vais pas lui répondre. Tu sais quoi, Neogenesis? Regarde. J'efface le DM. Voilà. Et je la bloque, et je la mute. Voilà. Moi, je mange pas de ce pain-là. Les bros d'abord. Elle regrettera de t'avoir quitté, NeoX Genesis. Il fallait aussi que je répare. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, il y a plein de réparations à faire. Action, réparer. Vas-y. Merci, NeoX Genesis. Non, j'aime pas avoir cette image de briseur de couple. Mon amour est parti avec le loup. Eh ben. Tain, se faire plaquer par un loup, ça doit être chaud. Pour un loup, ça doit être chaud, quand même. La nuit commence à tomber. La nuit commence à tomber et je suis à 25% de bonus de chaleur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mes chaussettes en laine. On va les réparer. On a le temps. Oh là 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 là, putain. Mais je suis tellement Gucci, mais c'est... Je crois... J'ai jamais été autant Gucci dans un jeu que là-dedans, hein. 90, 93. Bon, la réparation, ça s'est bien passé. On va se faire un petit coin vêtements. Où on va mettre les vêtements qu'on peut pas emporter avec soi. Tiroir vide, tiroir vide. Et ben le petit coin vêtements, ça va être au-dessus du... Tiens, là, on a deux, ça va être là. Alors, les vêtements que je peux pas emporter avec moi. J'ai... Il y a plus de chaussures dans mon inventaire qu'à la halle aux chaussures. Vous connaissiez la halle aux chaussures? Moi, c'est là où j'allais quand j'étais petit. C'était un peu les... C'était les chaussures pas chères. Le parka simple, on l'a déjà. On peut l'enlever. Les sous-vêtements thermiques, on peut l'enlever. Ça fera des vêtements de rechange si jamais on se fait niaquer par un ours ou par un loup. Ok. Je suis pas trop mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore niveau inventaire? Je vais boire un petit coup d'abord. Glou glou glou. Je crois que ça n'existe plus la chaussure. Hein. Mais c'était un gigantesque entrepôt. C'est gigantesque, avec 30 mètres de. Avec 30 mètres de plafond et tout. Et avec que des chaussures et des chaussures pas chères. Et moi je me souviens, les chaussures, je m'en foutais complètement. Donc moi, ma mère m'emmenait à la chaussure.
et je prenais n'importe quel grand là, à 20 francs, ça m'allait très bien. Mais mon frère, lui, qui était un peu basketteur, il était passionné de basket et il voulait les Air Jordan. Donc pendant toute mon enfance, le budget chaussures de mon frère, c'était... alors, c'était pas faramineux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent non plus, mais mon frère s'achetait des Air Jordan de folie et tout, il allait à Footlocker, vous savez, Footlocker, moi j'ai jamais foutu les pieds dans un Footlocker, et moi j'allais à la Lovettement avec ma mère, je m'achetais des baskets les plus merdiques, les mocassins en promo, et ça m'allait très bien. Et maintenant, j'avoue que j'aime bien m'acheter une belle paire de chaussures, ce qui me fait penser qu'il faut que je m'achète les Ultra Boost que m'a conseillé Daz. J'ai regardé sur le site web d'Adidas, là, 200€, bon, je me les achèterai après Noël. Mais j'ai envie de me les acheter, hein, parce qu'elles ont l'air super... oui, les Adidas à deux bandes, de là le chaussure. Elles ont l'air super bien, les Ultra Boost, elles ont l'air super confortables, et je m'achèterai cette belle paire de chaussures pour aller au tennis de table. Pas pour jouer avec, mais pour y aller. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Encore du... l'inventaire. Bon, là, on est pas mal. Je vais becter un petit peu. On va manger ça. Oui, Mrs. SD15, c'est ce que tout le monde dit, que les Ultra Boost seraient vraiment très confortables. Et j'ai pas de paire de chaussures, de paire de baskets confortables. J'ai pas ça. J'ai même pas de chaussures confortables, en fait. Est-ce qu'on est bien? On est bien. On a le ventre bien tendu. On a la peau du ventre bien tendue. Est-ce que j'ai des trucs à jeter ici? Oui, j'ai un pry bar acheté. Où est-ce que c'est? C'est ici. Pry bar. On va jeter celui-là. Les munitions pour fusil, je vais les jeter ici. Transférer tout. Je vais aussi jeter un petit peu de munitions pour revolver parce que là j'en ai vraiment beaucoup. Je vais décapiter du loup, mais à la chaîne. La lampe torche, j'en ai pas besoin. La flèche, je garde. Le flingue, je peux le jeter. La scie à métaux, je la ramènerai bien. Bon, je vais l'acheter ici en attendant pendant que je fais de l'exploration, mais. Faudra que je la garde. J'ai tellement de trucs. C'est incroyable. On va prendre ça. On va le mettre dans un autre tiroir. On va le mettre ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça là. Putain, 6 trucs en métal, c'est trop bien. Ça j'en ai pas besoin. Le tissu, c'est bon. 26 kilos et je suis Gucci. Eh ben, je fais un petit... Oh non, j'ai oublié. J'ai oublié ça. Tiens, je vais poser la bombe ici. Jeter. Hop. Juste pour montrer que je l'ai, c'est tout. Juste pour exposer mes trouvailles. Quelle heure il est? Il est l'heure d'aller au dodo. Au niveau haut, je suis bien, mais pas top. De toute façon, j'ai du soda. Je ferai ça demain matin. En attendant, je vais me coucher. Et ma pizza Dr. Rutger doit être en train de finir de cuire. C'est parfait. On va passer un peu de temps parce que sinon on va se réveiller en pleine nuit. Ah non, je sais ce que je peux faire avant. Non, j'ai un bouquin sur le tir à l'arc que je veux commencer à lire. Où est-ce que je l'ai foutu ce bouquin? Je crois que je l'ai foutu dans mon petit... Tiens, là il y a un autre bouquin que je vais ranger aussi. Hop, je suis pas fan des grincements quand même, ça m'angoisse. Là, un bouquin, hop, et j'ai un bouquin à lire ici avant de m'endormir. J'aime bien faire de la lecture avant de m'endormir, voilà, ça c'est trop bien, c'est bouquin tir à l'arc, ça va trop m'aider pour la chasse. Vous entendez le bip bip? Ma pizza est prête. C'est impeccable. Je lis le bouquin. Ah ouais, mais... Ouais, mais je voudrais... Est-ce que je peux le lire? Oui, je vais pouvoir continuer à lire. Le lit est ici. Je devrais pouvoir lire le bouquin normalement qui est ici. On l'utilise. On va faire une première heure de lecture. On va voir si ça passe. Normalement ça passe. Une deuxième heure ça devrait passer aussi. Deuxième heure de recherche. Pas possible. C'est pas grave. On dort. 10 heures de sommeil. Pas abusé. Et on se réveille. Sauvegarde. Ça va être ma... Ah bah il affiche pas parce qu'il affiche pas le nom de la durée du... Enfin bon. Eh bien mesdames et messieurs, le jeu est sauvegardé. Je pense qu'on peut dire que cette expédition était un succès extraordinaire. Une petite pensée pour les clampins, pour les clowns, pour les clodos qui ont parié des fortunes sur ma mort durant ce stream. Voilà.
On en est à 2 heures de stream, 4 heures de stream aujourd'hui. Je ne suis pas mort, je suis là, digne, fier, en pleine santé. J'ai de l'eau, j'ai de la nourriture. J'ai 25 de bonus de chaleur. On peut dire que je suis en bonne passe pour établir un nouveau record du monde. Prochain stream The Long Dark, bah écoutez, on verra. Peut-être demain, alors il faut que je travaille un peu quand même. Mais en ce moment, je réussis bien à travailler le matin. Donc peut-être demain dans l'après-midi pour les télétravailleurs. Et peut-être demain aussi en soirée. On verra. On me signale qu'il faut que je raide Oni. Eh bien, je vais raider. Je vais raider Oni avec plaisir. C'est quoi le nom exact de la chaîne de Oni? Il me semble qu'il y a un... C'est pas juste Oni, c'est Oni TV ou un truc comme ça. Si vous pouviez me l'indiquer sur le chat que je lance le raid. Nico Oni, bah oui, bien sûr, raid Nico Oni. Nico, parce que son vrai prénom, c'est Nicolio. Eh oui, Nico Oni. Raid chez Oni, vous lui faites un gros poussou de ma part. Et puis, bah sur ce, je vous souhaite... qu'est-ce que je vous souhaite ? Une très bonne nuit. Et puis, on se retrouve sûrement demain ou au pire après-demain. Vous surveillez Twitter, vous surveillez Discord. Tout ça sera indiqué. Je vous fais un gros bisou. Ciao tout le monde, bonne nuit.